Et bonsoir. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien, bien tout le monde. Alors, de retour. Ça faisait longtemps, ça fait plusieurs semaines. Et oui, s'en est passé des choses. Et oui, et revenant, comme tu dis, Akibi, tout à fait. Ah là là, je suis revenu du monde des morts. Préparez-vous, on va parler de jeux introuvables, comme d'habitude, c'est ma spécialité. Mais bon, comme d'hab, je vais pas le faire tout seul, hein. J'ai quand même pas jarté tout le monde, hein. Je suis pas revenu en dégageant mes comparses. Non. Parce que on va faire un truc simple ce soir, on va parler Warhammer, j'ai une petite émission, on va faire ça en speed, en 3h30, c'est réglé. Faites-moi confiance, j'ai fait un truc simple. Mais bon, on va le faire de suite, allez, j'accueille de suite mes deux compères. Fred. Bonsoir. Bien le bonsoir. Et avec Emmanuel. Salut à tous. On est tous là. Incroyable. C'est magique. Ah ouais, ça fait. Et oui. Oh là là, ça fait plaisir. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Bon, vous allez bien? Bah oui. Oui. Ah. Je me suis dopé un petit peu pour préparer toutes les interviews qui arrivent, donc je suis au taquet en fait. Limite sous extra, tu vois. Sous extra? Ah. Okay, c'est bien ça, c'est bien. On a moins besoin de ça. Oh, c'est tout de jeune. Là. Il va falloir. Voilà. Bon. Et oui, le trio est là. Et ouais. Quitte à faire, hein, pour une fois, on est trois. Et si on était plus que trois, pour une fois? Non, non, rien. Pas de réaction. Je vois Fred qui a globalement planté. Non, il a pas planté. Je me doute. Je me suis dit à un moment, encore sa webcam qui a brisé. Il a tenté quelque chose. Ouais. Oui, ça il va a tenté voir. Quelque chose. Ah. Donc, voilà, ça faisait longtemps. Je ne le trouvais plus, c'est pour ça. Donc. C'est pathétique. Non, mais c'était bien tenté. Ça m'avait manqué, ces petits trucs-là. Oui, bon. C'est l'important, c'est de participer, mon Fred. Oui. Oh, ça commence bien. C'est honteux. Ah, oh là, il est au taquet ce soir. Ah, donc, oui, là, ce soir, hein, on est là tous les trois. Hein. Donc, s'il y a trois barbus, la logique voudrait qu'il y en a un quatrième. Et du coup, vu qu'on aime faire comme tout le monde, eh ben non. Ben voilà. Et on salue tous avec un tonnerre d'applaudissements, Marilyn. Salut Marilyn. Salut, ah, bonsoir tout le monde. Salut, salut. Ah. Comment ça va? Voilà. Non, très contente d'être là. Je prends des notes. Voilà, un petit padawan qui découvre. Parfait. Oh, donc, voilà. Marilyn, alias, pour ceux qui connaissent les conneries dans le chat, Aranita. Voilà. Oui, écoute. Oh, t'inquiète. Okay. Ça se voit sur les différents lives. Hein. Ça se voit sur les lives depuis les vidéos depuis le début. Hein. Voilà. Voilà, il a des notes, voilà. Ouais, bon, en tout cas. Bienvenue parmi nous, Marilyn. Oui. Voilà. Un grand bienvenue. Qui va commencer par nous faire un exposé sur l'intégrale des Néphilim depuis la V1 ce soir, rien que pour vous. Oui. Voilà. Une petite émission comme ça, à chaud. Ouais. Chaud, voilà, tranquille. Je croyais qu'il n'y avait pas de visiteurs dans cette émission. Non, je plaisante. Non, c'est ce que Fred a dit, hein. Moi, c'est pas pareil. Il n'y en a pas du tout, moi, c'est comme ça. Non. C'est fou. Non. Non, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je peux juste dire vite fait que je fais du jeu de rôle depuis 2005 à peu près, avec des hauts et des bas comme la vie fait qu'on ne peut pas toujours jouer autant qu'on voudrait. Mais depuis 2 ans, je suis dans l'organisation du festival Jeux et Compagnie, dont on a beaucoup parlé sur la chaîne. Et je suis co-référente du pôle jeu de rôle. Ouais, et c'était super cool. Ça, je pense qu'on l'a dit aussi. C'est un boulot à plein temps, je sais ce que c'est. Voilà. Je l'ai fait autrefois, je ne suis pas sûr de le refaire maintenant, ça. En tout cas, ben voilà. Donc, on est tous là, impeccable. Il y a du monde. On va saluer rapidement toutes les personnes présentes dans le chat. Hein. Puis j'ai oublié mes réflexes et tout. Donc, encore une fois, problème d'image, de son, trop de charisme, vous savez quoi faire. Vous nous le faites savoir, on agira ou pas. Hein. Probablement pas, mais... J'ai pris des filtres. C'est, j'ai des filtres pour me rendre encore plus charismatique, normalement. Je t'enfilerai si tu veux. Oui, non, mais ok. Ouh, impressionnant. On va se dire pas, tu es au courant. Hein. Donc, rapidement. Salutations, Sloopy, Cernos, Feldwin. Oh, il y a des nouveaux noms que je ne connaissais pas. Ça fait plaisir. Olive de Cannes. Bondzux, 42. Si on me reproche la barbe, je vais mettre la moustache. Hein. Voilà, la classe. Et, incroyable. Screenez-moi tout ça. Voilà, ouais, je veux. Voilà. Clipez, allez-y, n'hésitez pas. On détourne. Voilà, bon Dieu, Caristef.
Introvert Tom Kibi. Oh là. Oh là, il y a du monde, j'espère que je n'oublie personne. Oui, on l'a dit. Limaël, salutations. J'arrête. Salutations. Bien le bonsoir. Et puis, je pense que je vais oublier du monde. Je suis désolé d'avance. Mais bon. Et puis, salutations à ceux qui regardent, mais qui ne parlent pas, ou en replay. Hein, on pense à vous quand même. Voilà. Ceux qui nous rejoindront après aussi. Tout à fait. Bien. On reprend les bonnes vieilles habitudes, hein, entrée plat dessert. Donc, formule classique, on va commencer par. Voilà, merci pour l'anti-sèche hein, qui apparaît en bas de l'écran. Donc, les derniers achats Service Press. Moi, déjà, dans ma tête, j'étais. Ouais, on va parler de. L'actu. Quoi déjà ? Je sais plus. Un pro. L'actu. Il fait beau. Hein ? Non, on n'est pas là pour ça. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est ça qui fait beau. Il fait chaud. 24 degrés cet après-midi à Montpellier. Je peux vous dire que ça devient n'importe quoi. 18 à Metz. On est au mois de mars. C'est ça, tout va bien. On va faire une émission climat ce soir. Tiens, allez. Voilà. Ah, ouais, salut Arsène. Donc, les derniers achats et services presse. Alors, bah oui, je sais pas. Alors, j'avoue que hein, moi, je reviens un petit peu comme en sneaky. Voilà, petite attaque d'opportunité. Je suis là ce soir. J'ai pas trop suivi. Est-ce qu'on a reçu des trucs ? Non. Non, je crois pas. On n'a rien reçu. Ok, voilà. Au moins, ça, c'est bien. Des romans, mais j'avais dit que j'en parlerai en émission littéraire. Donc, D'accord. Et oui, il y a le dernier de chez La Talente Fusion, le dernier d'Albin Michel Imaginaire, et puis les services presse en e-pub de chez Mnemos aussi. Je vais voir avec le cinquième, parce qu'il y aura une cinquième personne qui va nous rejoindre. Incroyable. Oh là là. Bah, c'est parti. Michel. Il y aura une convention. On pourra faire une convention tellement on va être nombreux. Vous êtes c'est clair. Ça va être l'eau. Donc, bon, qui veut comment ? Est-ce que vous avez acheté des trucs, vous, cette semaine ? Non. Moi, j'ai reçu un truc. Ah, vas-y. J'ai reçu Anarchy. Ah. Voilà. Oh. Donc, c'était la précommande Shadowrun Anarchy, donc, où on avait donc la suite de la gamme Anarchy. Ouais. Donc, je le rappelle, système de jeu alternatif pour plus narrativiste, voilà, un peu moins complexe pour Shadowrun. Mmh. C'était accompagné de deux suppléments. Le premier est une traduction, c'est Vise Juste. Voilà. Donc, c'est un supplément plutôt je l'ai pas regardé en fait, c'est quoi, c'est plus du, je crois que c'est des du conseils runner. Voilà, c'est des conseils pour les runners, voilà, c'est ça. C'est plus du contexte, on va dire. Un supplément de création française, ouais, qui est donc La France des ombres, voilà, donc ça c'est plutôt sympa, qui va détailler la France, qui est plutôt un supplément assez épais, quoi. Hein. Et officiel. Et puis avec, il y a des petits goodies. Alors, il y a une... Une super carte de la France. Ouais, j'ai vu. Comment on appelle ça, les ex-libris. Hop. Un ex-libris, quoi. Il y a différentes aides de jeu. Il y a un poster. Enfin, voilà, quoi. Que je n'ai pas déballé. Voilà. Voilà pour ça, qui était attendu depuis quelques mois, maintenant. Et c'est tout. De mon côté, je n'ai rien reçu d'autre. Hein. Bah, normalement, on devrait l'avoir en service presse, celui-là aussi, tu vois. Ouais. J'ai juste acheté un jeu de société. Ah. Ragnarok Star, d'occasion. Mm-hmm. Mais j'ai pu faire dédicacer. La classe. Ah, ça, c'est classe, ça. Ça, c'est les dédicaces. Attends. Ouais, comme ça, c'est mieux. Oui. Ah ouais. Ça, c'est de la dédicace. Limite jaloux. Ouais, Bien. Non, okay. Sinon, oui, on a fait un achat aujourd'hui en plus, incroyable. Oh. Une machine à laver. Tu te souviens que je vous avais parlé avant que tu t'en ailles pour te reposer et tout ? Et ben, la machine était toujours en rade, donc au bout de 45 jours de SAV, qu'on nous dit la pièce n'est plus dispo, bah, t'en achètes une, quoi. Et elle est motorisée en DD5 ? Ouais, exactement. Oh. Avec jet de sauvegarde intégré et tout. Hein. Mais pourquoi t'as fait ça ? Bah, parce qu'en fait, comme c'est le plus joué, c'est plus facile de trouver des pièces détachées. Oh, paye ton originalité. T'auras la même machine à laver que tout le monde. Oui, mais ce sera notre petit bébé d'amour maintenant,
de chez alors nous, quoi, donc on est heureux. On aurait pu trouver une version alternative de Fate fait par un petit studio ouzbek, mais non, monsieur veut faire des dessins, qui bon, bref. Mmh. Ouais, non, je suis trop mainstream, moi, tu sais. Tu me connais maintenant. je vois ça. Non, moi, pas de jeu de rôle, encore une fois, des figurines, parce que le Wargame, beaucoup, Wargame, bon, trop Wargame, hein, c'est mon truc du moment, du coup, il y a plein de petites figues. Mmh, voilà. Ça manquait. Mon budget, il part là-dedans, dans ces petits bonhommes, hein, voilà. Voilà. Ans, il joue au petit soldat, il est heureux, voilà, des Hellblaster, une escouade de Hellblaster pour mes Space Marines. Ah, en ouais. Attendant... Ah, puis un petit rôdeur Nécron que j'aime bien. Ah oui. Belle bête. J'aime bien. Il est petit, il est mignon. Faut le peindre maintenant. Non, ça avance. La peinture pas les... avance. Pas les coups bas, pas les coups bas, s'il te plaît. Voilà. Pas les genoux alors qu'il vient juste de revenir, quoi. Salut, Buen Venito. Ah bah, et moi. Salut Shadow. Et puis salut Shadow. Salut Shamal. Ah ouais, Shadow. Bah, je vois que Shadowrun, c'est un truc qui revient régulièrement, bah oui. Hein. Bah oui, c'est un jeu formidable. C'est une chaîne de runners. Voilà. Oui, j'avoue. Ah, moi, c'est qu'en ce moment, 95% de mon budget part dans du wargame. Alors bon, compliqué. Écoute, moi, je n'ai juste pas craqué dans la nouvelle boîte d'armée de l'Empire Tau qui vient de sortir chez Game Workshop. Restez fort. Moi, je t'avoue que mon budget, en fait, je le garde pour aller en festival. Voilà. Oui, mais, oui, oui mais je comprends. Et puis, Traveler arrive dans deux jours. Donc... Ça va être... Oui, tu m'étonnes. My body and my account are ready. Je frétille déjà. Non, mais franchement, Traveler, quoi. Ah, bon, voilà, on connaît un petit peu... Enfin, moi, je connais les prix, donc ça va. Ça va. C'est élevé, mais honnête. Ah oui. C'est tout ce qu'on imaginait, quoi. Ouais, exactement. C'est à peu près ce que j'avais dit à 20-30 balles près, quoi. Voilà. Alors, de votre côté, les gens, quoi qu'il y a eu globalement, c'est un peu calme, hein, voilà. Alors, on va rescroller un petit peu, hein, parce que... Sloppy qui nous dit, j'ai craqué pour H2G2 pour le relire. Oui, H2G2, c'est toujours un plaisir à lire. Ça fait bizarre quand même, parce que moi je l'ai connu à l'époque, ça s'appelait le guide du routard galactique. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Mais ça me fait toujours rire, bêtement. Ce genre de bouquin, quand je le lisais dans le tram, je rigolais bêtement, comme un gros débile. Les gens me regardaient étrangement, plus que d'habitude, que j'étais en mode, on fiche. Il fait cet effet-là, ce bouquin. Mais voilà. Arsène, tu n'as rien acheté, mais tu as reçu le PDF de God's Park. C'est quoi ? Quoi que c'est. Alors là, je t'avoue que je vais voir de suite. D'accord. Felwin, mis en transiposal, je pense qu'on faisait référence à Shadowrun juste avant. Voyons, Robert Tom, t'as quoi du Shadowrun en VO? Winds of Magic et Lustria? Bah oui, hein, en tout cas, on va parler de la moitié de tout ça tout à l'heure. Rien pour le moment, réserve pour jeudi. Pourquoi bah oui. Donc mais il y a quelques financements hein, qui. Oh, il y a quelques trucs, on est d'accord. Hein. Ah ouais. Aristef, Maléfice, 4e édition. Donc, voilà. Parfait. Ah oui, et puis j'arrête qui dit oui, réception Shadowrun. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Special Stories et Valerian d'approche. Ah, un thème spatial, c'est bien. Deux ambiances radicalement différentes. Ouais. Special Stories, très bon. Il doit être derrière quelque part. Oui. Oui, là. Oui. Voilà. Ok, Nachamé, récup gratos d'un meuble qui sera parfait pour qui ont les jeux de rôle. Pourquoi un seul? Il t'en faut au moins deux. Ouais. Faut penser aux jeux de rôle que tu. Qui déborde maintenant et au futur jeu de rôle que tu vas acheter. Oui. Tu ne sais pas encore que ça va déborder, donc tu prévois en fait. C'est ça. Mais je crois qu'on est pas mal. Chamel aussi qui dit qu'elle a reçu Shadowrun, voilà. Mm-hmm. C'est impossible. Si tu n'en parles pas, c'est moi qui en parlerai. On a tous nos gimmicks, hein. Je préviens. Voilà. Hein. Mm. Blood Bowl. Tu me diras dans quelle équipe tu as joué, quel match c'était, parce que ça, il n'y a pas assez de monde qui joue à Blood Bowl. Fais de la place, qu'est-ce qu'on a? C'est le pack pour m'y mettre, Feldwin, ah voilà, pack pour m'y mettre, anarchie, anarchiste, oui, bah, l'intégralité, tout ce qu'il faut. Alors, ça y est, tu as reçu Hit the Reich. Ah oui. Ça, il faut en parler, il faut parler de ce concept qui est juste incroyable. Ça vous parle peut-être pas, non?
C'est un petit jeu étranger qui avait été sorti en financement, où, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va envoyer des agents sur place pour foutre le dawa et, si possible, buter des nazis. Hein. Sauf qu'on envoie des vampires. D'où manger le Reich. Voilà. En tout cas, l'idée était géniale. Le concept était débile. J'adore. C'est trop bien. Oh, et salut Obsidian. Bonjour qui nous dit aussi craquer sur Gods, la gamme Gods. Oui, tout à fait. J'ai pas encore vu beaucoup de retours dessus, donc j'attends d'en. Plutôt positif, moi, ce que j'ai vu. Hein. Positif, quand même. Ouais, ouais, oui, oui. Bah déjà, l'attente, à Cannes, les gens. L'attente valait le coup, quand même. Ouais, les gens qui jouent à Cannes étaient tous emballés, clairement. Hmm. Mais c'est alors. C'est surprenant, d'ailleurs. Ouais. Tant mieux. Et puis, oula, il y a encore plein de choses. Obsidian a rien par un roman Shadowrun d'occasion. On attend le financement, l'arrivée de Shadowrun en boutique. Bah, ça, ça arrive. Hein. Alors, ah, Arsène qui nous disait que. Ah, pardon. Oh, pardon je... Non, vas-y. Hein. Donc, Orcalonia, Notch, Celestopol, attends le mois prochain. Mm. Bien ça. Ça, c'est du beau craquage. Blu-ray, Marcus. Il était déjà sorti en Blu-ray. Est-ce que j'allais dire, en fait. Ah bon ? Recommande peut-être. Mm. Ah, peut-être, parce que j'ai rien vu là-dessus. Ouais. Et je m'en veux de l'avoir raté au ciné. Oui, après, ça va. Tu... Enfin, voilà, le principe, c'est... quand même. Quand oui, même. Oui, 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 oui. Voilà. Et puis, l'arrivée, on a été... Ah, Godspark, Arsène qui nous disait rapidement. Godspark est un jeu solo du ZineQuest où on fouille dans le corps de dieux morts. Oh. Oui, effectivement, je l'avais vu passer dans ZineQuest. Ouais. Hmm. Alors, Shamrock rapidement, craquer sur Dragonbane Brancalonia, bah oui, 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 oui. Et... Dernier truc que j'ai acheté pour Roland, c'est Séance d'Anneau, l'intégrale des trois livres. C'est le dernier truc format que j'ai acheté. Oui. C'est bien ça. Salut Jean-Marie, ouais. Hello Jean-Marie. Eh bien, le temps que je lise un truc, il y a 12 messages. Waouh, 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 les gens. Ah bah tiens, regarde, tu vois, poum, deux bibliothèques, ça déborde, c'est normal. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Je connais, je connais, ça déborde de partout. Et nous n'y sommes pour rien, hein. On est bien d'accord. Oui. Une knock depuis la dernière fois, ben voilà. Bah oui, oui, tout à fait. Une glorious bastard dans monde en mode vampire, oui, bah oui, ouais. C'est trop bien. Bonne vue de toi, t'as joué quoi des halflings au compte des nordiques. Waouh. Bon, t'as réussi à faire un match nul avec des halflings, je dis bravo. c'est bien joué, ça. La dernière fois que j'ai joué, je me suis fait table rasée. Hein. Ils étaient blessés. Oui, il y a Abyss en Blu-ray, effectivement, qui va enfin ressortir. Voilà. Ok, hello William, oh. Fumble. J'avouerais que je fais partie de ceux qui ont vu Abyss au cinéma et qui s'est fait prodigieusement chier. Mais bon. Oh non, c'est une merveille. Je te jure, je suis ennuyé comme c'était pas permis, quoi. J'adore ce film. Ah oui, non mais... Je sais qu'on n'a pas les mêmes goûts. Eh oui. Non, non, mais d'ailleurs, de toute façon, on va rediscuter cinéma dans pas longtemps. Donc... Oui, voilà. Ah, film préféré de Felwyn. Oui, c'est pas. Oui, il est bien quand même. Ouais, précommande, hein, voilà pour précommande pour Mars Express. Ok, bon. Et Roland, c'est bien noté. Je note tout ça pour moi, hein, pour la chaîne. Ok, bon. Beaucoup d'achats. Hein. Je pensais que les gens étaient raisonnables. En fait, non. C'est comme d'habitude. Tu commences ta rubrique, et tu dis ouais, qu'est-ce qu'on a acheté nous ? Oh, rien, pas grand-chose, tranquille. Puis les gens sont en mode rien, rien, rien. Puis d'un coup, ils commencent à parler, tu sais, c'est un petit peu non, mais j'ose pas en parler, faut pas que ma femme le sache. C'est un peu. Puis on a qui en mode bon, on a peut-être lâché un SMIC, mais c'est pas grave. Non, putain, je vais m'étouffer. Voilà. Oui, non, c'est vrai qu'en ce moment, je suis en mode plus calme. Mais comme je te dis, hein, il y a les festivals quand même, mine de rien. Tu te prends l'hôtel, ouais. Tu prends la bouffe, l'essence. Après, tu tournes plein d'interviews, tu passes un mois à tout faire le montage pour les diffuser comme un porc. Non, j'adore. Franchement, je m'éclate. Hmm. Au secours. Sauvez-le. Bien. Bon. Et si on parlait un petit peu jeu ? Bah, on a parlé de ce qu'on a acheté, hein, des sous qu'on dépense de manière totalement déraisonnable, ça on sait faire. Oui. Mais de temps en temps, on lit ce qu'on a acheté de manière totalement déraisonnable. Mm. Donc, Manuel, tu veux commencer ou je lance les hostilités ? Comme tu veux, mon grand. Moi, je te pose la question, justement, c'est parce que j'ai pas envie de choisir. Bon, bah,
Ou on laisse Marilyn parler du jeu qu'elle a testé. Ah c'est oui, c'est une très bonne idée. Tout à fait. Ah, ça m'arrive. Mais oui, bien joué. Il y en a qui réfléchit. Oh là là, incroyable. Donc si tu veux, c'est à toi. Eh ben, au festival, j'ai testé un jeu pour les pitchouns, pour les petits. Ça s'appelle Mon Premier Jeu de Rôle. Je crois que t'as un... Oui. Ah, voilà. Ouais. Voilà. Voilà, donc bah moi j'ai craqué. De toute façon, ça faisait un moment que je le guettais. C'est Color My Quest en anglais. Donc ça faisait un moment que je le guettais. Dès que j'ai su qu'il y avait quelque chose en français qui sortait, ben voilà, j'ai foncé dessus. J'ai pu le tester avec mon fils qui a 5 ans. Et bah, il a accroché tout de suite. Après, voilà, la pomme est tombée pas loin de l'arbre. Dans les premières parties de test avec les enfants de l'assaut, il y a mon fils, il y a un autre qui est déjà à 6 ans dans une campagne Tales of Equestria. Oui. On a bien pu tester le jeu. Donc l'idée, c'est qu'on va jouer des aventuriers, des jeunes aventuriers. On va tout colorier. Colorier les feuilles de personnages, colorier la carte. Moi, je fais progresser, colorier sur la carte au fur et à mesure que les enfants progressent. Ouais, William, 6 ans de petit poney. Voilà. J'avais pas prévu d'en parler nécessairement ce soir. C'était un sujet pour une prochaine fois, mais du coup, c'est d'accord, pas, non, mais c'est pas grave. Coup, mais non, j'ai bien aimé. Après, moi, je suis clairement la cible. Ce que je disais, c'est que voilà, je suis MJ, j'ai l'habitude. C'est pas franchement clé en main tout de suite. Donc, si on veut découvrir le jeu de rôle avec ses enfants, c'est pas forcément le meilleur outil. Là, comme ça, tout de suite. Après, il y a aussi voilà, l'idée des rencontres aléatoires. Moi, je suis pas forcément fan de ça dans un jeu de rôle. Mais après, c'est un jeu, on en fait ce qu'on en veut. Hein. Et donc voilà, après, bah, gros succès, que ce soit au festival avec des jeunes enfants de centre aéré qui connaissaient pas. Donc non, moi j'ai bien aimé. Et voilà. Ok. Après, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire là-dessus. Ouais, si tu veux en parler plus longuement une prochaine fois, ouais. Plus reposé et tout, y a pas de souci. Peut-être avec plus de visuels aussi, parce que là, c'est un peu démodé. Oui, oui, mais c'est ce qu'on t'avait dit en off. Hein. C'est un peu la marque de fabrique. Hein. C'est un peu à l'arrache. D'ailleurs, on a une émission. J'ai oublié de te dire, oui, c'est vrai que dans les émissions que nous faisons, nous avons un nouveau concept qui s'appelle à l'arrache. On en a déjà fait deux avec Manu. C'était très amusant. Voilà. Parfait. En tout cas, merci. En tout cas, déjà pour ce petit retour. Sur ce jeu, merci. Merci tout plein. Ah ouais, voilà. Donc, si ça marche avec les enfants, c'est bien. C'est vrai qu'on n'a pas souvent, on n'a pas assez parlé des jeux pour initier les enfants. C'est un projet d'émission qu'on a depuis. Un an. À peu près, hein. Ah, déjà avant. Ah, bah dis donc. J'en parlais, j'étais avec. Il y avait encore Mehdi. Hein. Ah oui. Ah oui, d'accord. Chaque fois, on se dit ouais, on va en parler. Mais bon, vu que ni moi ni Mehdi n'avons d'enfants, c'était compliqué d'être... voilà, on va lire, mais on ne l'a pas testé. Donc, c'était un peu compliqué. Oui, là, je vois des commentaires. On se calme, les gens. Hein, il y a une question intéressante, là, pour Marilyn. Hop. Ah, oui. Ah, oui. Oui, il y a un système. Oui, donc, on lance... alors, les caracs, il y en a 4. Donc, il y a intelligence... sens, vitesse et je ne sais plus laquelle. Quand j'aurai moins de 38 de fièvre, je pourrais peut-être te la retrouver. Sens, vitesse et force, voilà. Donc, ces caractères, la plus forte est à 3, ensuite une à 2, une à 1, une à 0. On lance 2d6, voilà. Et puis, on fait la somme et si on dépasse 10, on a réussi notre action. Après, moi je l'ai joué comme ça. Il y a d'autres systèmes aussi où en cas d'échec il va se passer des choses. C'était une initiation au festival, je ne l'ai pas encore testé ça en entier. Je suis plus à valoriser les actions et puis il y a des points bonus pour réussir les actions automatiquement. On a des petits compagnons qui peuvent nous permettre d'avoir des réussites et faire des actions. Voilà, après, il faut jauger aussi avec ce que les enfants sont capables de gérer. Les enfants de centre aéré, par exemple, je n'ai pas ajouté les compagnons parce que ça faisait trop de choses. D'accord.
Et c'est pas un jeu où il y a du coloriage aussi. Ouais, c'est un peu le problème aussi, c'est que les enfants, ils sont à fond sur le coloriage. On a mis peut-être 30 minutes à démarrer. Parce qu'ils voulaient tout colorier, leurs personnages, leurs compagnons, leur. Ouais. Du coup, le coloriage a un impact sur le gameplay, si t'as envie. Moi, je sais que mon fils, par exemple, il a mis en violet tous les méchants, parce que le méchant de la Pat' Patrouille, il est en violet. Voilà. Oui, et ça, j'adore. Il y a dans la boîte dans la grosse boîte où il y a tous les livrets qui sont réunis, il y a aussi un livre de coloriage qui est inclus et un abécédaire. Et bah, moi, ça me fait kiffer de voir mon fils colorier Z comme zombie, L comme liche, E comme ennemi avec un beholder. Ça me fait hurler de rire moi-même. Après, quand tu vas les ramener à la maîtresse, ça va faire bizarre, mais. Sa chambre sévère, mais bon. Oui, sorcière est sortie. Oui, là, ouais. Tout à fait. Oui. C'est que ça me faisait penser, ouais, comme on disait, ça rappelait un peu de l'apocalypse, mais oui. En tout cas, c'est même, de base, hein, 2D, c'est même plus. Officiellement ça, en fait. Hein, c'est une adaptation, ouais, de l'apocalypse, en fait. Ouais. Mais hyper, hyper simplifié. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, dans les autres émissions, on a la cartouche. Je l'avais oublié. C'est vrai. Non, c'est pas vraiment une émission, c'est une rubrique. Parce qu'on fait plus ça. Voyons gentil. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai eu un mois pour me préparer. ce sera une cartouchière. T'inquiète pas. Là, c'est la bande de munitions, c'est la Gatling. Là, ça va y aller. Hein. Alors, mode Space Marines, quoi. Et on nous propose du culte ou du Cthulhu pour initier. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Des gamins de 5 ans. Oui. Voilà, hein. Oui. Bien. Oui, pourquoi pas, oui. Je veux pas savoir ce qui se passe après. Hein. Voilà. Faut gérer les cauchemars, quoi. Ouais. Bref. JRTM, ouais, pour les enfants, ça, c'est pas gentil pour eux. Ils ont rien fait, ils sont encore innocents. C'est méchant, ça. Ouais. Ah, pour les adultes, c'est méchant. Oui, c'est méchant tout court. C'est méchant pour tout le monde. Ok, bah, en tout cas, merci pour ce retour, en tout cas, sur... j'ai oublié le nom du jeu. Mais c'est mon premier jeu, d'ailleurs. Oui, et j'avais mon premier et je suis en mode, on parle de quoi? Ben, d'un jeu de rôle, mais. C'est compliqué, hein. Ah, tu vas faire un jeu de rôle aujourd'hui. Merde, un roman. Et qui est en boîte rouge en plus. Mon premier jeu de rôle, une boîte rouge, c'est un petit clin d'œil. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'aimais bien le titre original, Color My Quest. Je trouvais ça rigolo. Ouais. Bah, c'est un peu plus original parce que des bons premiers, quelque chose, il y en a plein des jeux comme ça. Ok, bon. Ok, je regarde rapidement les autres questions. Non. Vous êtes partis entre vous, c'est bien. C'est bon. On laisse le chat tout seul. Il est autonome. J'ai aimé la cartouche. Bon, je peux juste vous mettre le générique, histoire d'eux, mais ça s'arrêtera là pour ce soir. Parce que... Non. D'ailleurs, elle est où? Putain, je sais même plus. Ah, elle est là. Elle est là. J'avais mis quand même 7 minutes hein, pour le fabriquer, ce bordel-là. Eh oui. Mais tu as bien rentabilisé. Ah oui, oh là là, oui. Et tu es fier. Bah, non, pas du tout, voyons. Fier. Regarde, je suis l'innocence incarnée. Ok, bref. Bon, on fait ce qu'on peut. Oui, voilà. Ok, bon, bah, en tout cas, mon premier JDR, c'est fait. Est-ce que... Encore une fois, Emmanuel, je ne sais plus ce qu'on avait dit, si tu voulais commencer ou pas sur... Allez, je prends la main, hop. Tu prends la main, c'est parti, allez, on va parler... Oh, on va parler Warhammer, incroyable, et c'est pas moi qui parle. On va toujours nous changer, ouais. On va donc parler de Lustria, les amis, donc un gros, hein, un assez gros, un assez épais, supplément pour Warhammer Fantasy Roleplay, alias Warhammer 4e édition, donc... C'est paru, comme toujours, chez Cubicle 7, sous licence officielle, bien sûr. Et donc, on est sur un bouquin qui atteint les 224 pages, quand même. Donc, on est sur un assez gros volume. Comme son nom l'indique, ce supplément va détailler le continent de la Lustria. Grosso modo, hein, vous savez que le vieux monde ressemble un peu au nôtre, et donc la Lustria, ce serait l'Amérique du Sud. Hein. Donc, quand vous voyez la,
quand vous voyez le visage de la carte, hein, vous avez peu de doute quand même sur le fait que... Ça, ça y ressemble un peu quand même. Hein. Voilà, on est un petit peu... Et on va aussi avoir... Dans les, on va aussi avoir dans les, dans l'inspiration un petit peu de ce qu'on trouve à l'intérieur, un fort accent ou inspiration de civilisation précolombienne. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance qu'on va trouver sur ce continent de Lustria. Alors, moi, je fais partie de ces gens qui, contrairement à Antoine, ne jouent pas aux jeux de figurines et du coup, j'ai jamais eu de background en fait sur la Lustria en général, à part 2-3 infos comme ça glanées, parce que je crois qu'il y a eu des campagnes déjà à l'époque Warhammer Battle qui s'y passaient, si je me souviens bien. Je me souviens de grands dioramas avec des pyramides style aztèque, oui, etc. Voilà, ça c'était le jeu de figurines qu'il avait développé, parce que tu as une faction complète qui vient de là-bas, mais le jeu de rôle n'en parlait à peine, en mode il y a des gars là-bas, ils ramènent de l'or, il se passe des trucs, on n'en sait pas plus. Très bien. Donc, ben, j'en savais pas plus que ça non plus. Et donc, j'y suis allé un petit peu très très content d'avoir enfin, comme le dit comme c'est dit par Buenvenuto dans les commentaires, enfin un supplément vraiment nouveau pour les vieux MJ de Warhammer comme moi. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, voilà, moi j'étais un peu excité en me disant, ah, enfin de nouveau un truc que je ne connais pas. Et donc on va y aller. Alors, je vous avoue que le début de la lecture a été assez pénible. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas grand-chose, n'étant pas bien habitué au concept justement de ce que sont les hommes lézards, de ce qu'est la différence entre un skink et un slan, donc ce genre de truc, je vous avoue. Et puis alors leurs dieux qui sont aussi compliqués, hein. Moi, je confondais Shotek et Sotek, par exemple. Enfin bon, bref. Et donc, le bouquin, il va entrer directement dans le vif du sujet sans vous présenter tout ça, en fait. Donc, il n'y a pas un lexique, il n'y a pas un truc, etc. au début. Et donc, au début, moi, j'en ai un peu sué. Avant de me rendre compte qu'il y avait un chapitre complet destiné justement à parler des hommes serpents, mais qui vient après qu'on ait détaillé en détail des lieux, par exemple, des endroits de culte, etc. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas les termes avant, je vous promets que vous allez être un tout petit peu paumé, puisqu'il faut quand même attendre la page 114 pour qu'on commence à nous expliquer ce que sont ces fameux hommes lézards qui vivent sur ce continent, quoi. Voilà. Donc du coup, mon conseil, lisez ce chapitre qui s'appelle « Servants of the Old Ones » avant tout, si vous êtes comme moi, hein, si vous avez déjà la connaissance de tout ça, bien entendu, vous pourrez profiter du bouquin directement, mais si vous êtes comme moi, lisez d'abord ce chapitre-là, qui va vous apporter un petit peu les bases et un petit peu toutes les clés pour comprendre le reste de ce qui vient avant. Mais par ordre chronologique, donc, quand on ouvre ce livre... On va se retrouver donc avec une carte où il y a beaucoup de lieux. On va d'abord vous présenter le continent en quelques mots, en vous expliquant déjà là donc en fait que c'est lié à la. Alors on ne sait pas si c'est une légende ou si c'est la vérité issue du fond des âges, mais ce qu'on appelle les Old Ones ou les anciens, hein, voilà, qui auraient apparemment construit, enfin qui serait arrivé sur Terre, qui aurait créé donc différentes races, qui aurait ingénieré les différentes races, eux qui apparemment pouvaient voyager parmi les étoiles, et ils se sont opposés au chaos notamment, et puis donc il s'est passé plein de choses, et les Old Ones ont disparu. Et donc, ce sont ces hommes lézards, leurs héritiers, qui essayent de maintenir en place ce qu'on appelle le grand plan, qui est donc l'espèce de plan à l'échelle millénaire que les anciens avaient mis en place, quoi. Bon. Autant vous dire que vous n'en saurez pas plus sur la notion du grand plan, hein, au final. Hein. On y revient très régulièrement, mais comme ça a été totalement oublié et que les hommes lézards eux-mêmes n'ont plus que des bribes en fait de connaissances sur cela. Ben, en fait, voilà, ils poursuivent ce qu'ils croient être le grand plan, mais en réalité, ils sont un petit peu aussi paumés que nous. Donc, ben, ça vous décrit en fait les différents en une colonne à chaque fois, hein, les différents environnements que vous allez pouvoir traverser, que ce soit la jungle dense, que ce soit les côtes, que ce soit les montagnes ou les rivières, ce genre de choses. On a quelques mots sur la connaissance par les
comment dire, par les autres races de ce que sont les hommes lézards, avec un petit peu de savoir du côté des elfes, voilà. Y a même un fac-similé, c'est assez bien foutu, d'une étude faite par, voilà, d'une étude faite par quelqu'un du vieux monde là-dessus, c'est assez chouette, bon, ça marche plutôt bien. Ensuite, un mot sur les différentes espèces. Un gros, comment dire, une grosse frise chronologique qui prend 4 pages, qui vous donne plein de dates. Là encore, c'est bien d'avoir lu avant les détails de la civilisation des hommes lézards pour y comprendre quelque chose. Voilà. Et puis après, donc ça prend, on va dire, les 20 premières pages du bouquin. Et après, on va passer sur des dossiers thématiques qui vont chacun avoir, comment dire, un thème. Donc le premier, ce sont les places of power, donc les lieux de pouvoir. Donc là, en fait, c'est tous les lieux comment dire, qui sont imprégnés de magie qu'on va trouver sur le continent. Donc là, il y en a plein, hein, ça va de trésors mythiques, en passant par des pyramides stellaires, des monolithes, ce genre de choses, ce qu'on va pouvoir trouver un petit peu partout. Donc c'est tous les lieux un petit peu spéciaux, un petit peu magiques, qui sont bien souvent encore occupés, ou qui sont, comment dire, qui ont l'air abandonnés, mais pas tant que ça, en fait, par les hommes lézards. On passe ensuite à un gros chapitre qui vous présente Skegi. Skegi, c'est sans doute la colonie la plus importante, la colonie humaine, hein, la plus importante sur ce continent. Elle a été créée par des navigateurs norse, et malgré donc les attaques d'hommes lézards et ce genre de choses, eh ben, ils ont réussi à non seulement à rester, mais presque à prospérer. Hein. Ça reste le port le plus ancien et le plus, comment dire, et le plus résistant, puisqu'on vous explique que nombre d'autres essais de faire des colonies ont malheureusement échoué. Donc vous allez avoir l'histoire de Skegi, vous allez avoir un petit peu tous les personnages qui l'ont formé, son gouvernement et ses lois. En gros, il y a une reine et c'est tout, il n'y a aucune loi. Donc vous êtes livré à vous-même et c'est la jungle. Cette fois-ci, plutôt au sens figuré qu'au sens propre. On va avoir cette fameuse reine, Adela, qui est décrite. On va, voilà, un petit peu vous parler de l'économie, de comment la ville vit. On a un petit plan de la ville avec les différents lieux notables et puis les choses qui vont être proches de cette ville. Donc c'est plutôt efficace. C'est effectivement un lieu très très dangereux, hein, parce que c'est vraiment sans foi ni loi. Et comme à l'habitude, vous savez, je vous en avais déjà parlé sur le précédent supplément, vous allez trouver là des petits hooks. Hein, vous voyez que le petit hameçon de pêche, là, ce sont des amorces de scénar, en fait. Hein. Donc ça, c'est comme d'habitude, il y en a un peu partout, et c'est plutôt très, très bien fait. On passe à la description d'une ville qui s'appelle Ketza, et qui a été, en fait, une cité-temple particulièrement majestueuse, mais qui a été ravagée par les Skaven. Et donc, il y a eu une guerre très, très violente entre les hommes lézards et les Skaven, qui s'est... A priori, pour autant qu'en sachent les hommes lézards, qui s'est soldé par leur victoire sur les Skaven, et la ville a été détruite, il y a un gouffre qui s'est ouvert en plein milieu, puisque avec leur grand pouvoir, les Slan ont pu faire tomber des morceaux de lune directement sur la ville, enfin, ça rigole pas, le niveau de la magie est assez violent, hein, dans la Lustria. Voilà. Donc il y a encore des choses à y trouver, il y a peut-être des rumeurs comme quoi on voit de plus en plus de rats revenir. Bon, je vous laisserai découvrir ça. Et puis, il y a des choses cachées sous la ville, bien entendu, qui méritent ou pas d'être découvertes. Et puis, on a un petit focus sur les Skaven du clan Pestilence, qui sont ceux donc qui occupaient cet endroit. Ensuite, un endroit que je ne connaissais absolument pas l'existence, qui s'appelle la Côte des Vampires. Donc, en fait, il y a toute une partie de la Côte de Lustria qui est en fait sous la domination d'un seigneur vampire qui s'appelle Arkon. Il a créé des armées de zombies pour se protéger, des marins zombies. Il y a plusieurs autres seigneurs vampires qui lui répondent, etc. Donc autant vous dire que c'est pas un endroit sympathique à visiter. Ceci dit, il y a aussi un port qui s'appelle New Beshafen, dans lequel on peut faire du commerce si on a le courage. Et on vous explique bien que la taverne, c'est le jour, hein, c'est pas la nuit, parce que la nuit, c'est les vampires qui sortent. Donc voilà. Donc si vous allez à la taverne, vous êtes bien rentré sur votre bateau avant le coucher du soleil, sinon il va vous arriver des bricoles.
Et donc, bien entendu, pour les hommes lézards, toute cette côte des vampires est une aberration, une abomination qu'il faut détruire. Donc, il y a une espèce de guerre un petit peu permanente. Voilà. Au sud, on va trouver la Citadel of Dusk, qui est en fait une forteresse des hauts elfes. Voilà, donc avec ce que ça suppose encore une fois de magie très puissante, de miracles divins et tout ce genre de choses. Donc ça donne parfois l'impression que c'est pas trop à la portée des joueurs, hein, sincèrement. Après, si vous jouez peut-être avec des gens à haut niveau, peut-être que ce sera le cas. Donc il y a aussi des personnalités qui vous sont présentées, etc. On trouve quelques éléments comme ça. On a ensuite un long chapitre sur les cités-temples. Donc qu'elles soient en ruine ou pas, donc il y en a toute une série qui vous sont présentées, qui ont chacune leur personnalité et ce genre de choses. On vous parle des structures qu'on peut trouver dans chacune de ces cités. C'est plutôt très complet. Et il va y avoir un focus plus important sur ce qui est sans doute la plus grande ville, qui est Tlaxcalan. Je ne sais pas si je le prononce bien. Voilà. Là, vous allez vraiment avoir des personnages qui vous sont présentés. Il y a deux Slan qui règnent encore ici, les leaders des Skinks, tous les cultes et ce genre de choses, les défenses de la ville. Voilà, vous avez un plan assez complet de cette cité et tous les lieux principaux vont être décrits après. Voilà, donc c'est plutôt encore une fois efficace, complet et bien fichu, et on vous donne plus de détails sur certains. Et on arrive donc à ce fameux chapitre Servants of the Old Ones dont je vous parlais, où là vous allez tout savoir. Enfin, donc les Slan, c'était les premiers créés par les anciens, il y en a eu 5 générations, aujourd'hui il en reste peu et ils ne naissent plus. Ensuite il y a les fameux hommes lézards eux-mêmes finalement, ceux auxquels le nom colle le mieux, qui sont les fameux Skinks, qui là encore naissent dans des espèces de bassins, en fait, sont décantés dans des espèces de bassins. Hein. Donc voilà. Les Slan ont des pouvoirs particulièrement violents. Hein. Ils connaissent en gros quasiment tous les sorts du bouquin de base associés à des trucs de haute magie. Enfin, c'est très très violent. Il y a vraiment des pouvoirs magiques qui sont rajoutés. Autant vous dire que c'est des trucs qui permettent de faire écrouler des cités ou de marcher entre les mondes et de se téléporter. Enfin, c'est vraiment, on est dans du très puissant. Donc ces hommes lézards, vous allez pouvoir même les jouer. Il y a des conseils pour faire du role-playing d'hommes lézards. Oui, tout à fait. Je vois ta tête, Antoine. Mais oui, tu peux. Il n'y a pas de souci. D'accord. De toute façon, jouer un Vélociraptor précolombien, moi, ça me tente. Hein. Pourquoi pas. Donc, mais là, par contre, s'il faut le parler, ça va être compliqué. Hein. Ben oui, c'est ça. Tu as plein d'idées pour jouer. Alors, on te propose quand même de jouer plutôt des skinks hein, que des Vélociraptors, oui, ou des monstres. Ouais. Donc, à chaque fois, on a un exemple de personnage. Ensuite viennent les Saurus, qui sont des espèces de guerriers ressemblant à des crocodiles montés sur des corps de chars d'assaut, quoi, un petit peu, hein, qui sont les guerriers, en fait, qui sont les guerriers de la race des hommes lézards. Et voilà, et on va finir avec les Croxigors, qui sont des espèces, là encore, d'énormes brutasses, qui sont à la base moins destinées au combat que... moins destiné au combat qu'aux travaux de force à la base, mais qui peuvent être très très utiles aussi en cas d'assaut de la ville et ce genre de choses. Voilà, donc des nouveaux traits, des nouveaux talents, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez vous faire plaisir avec ça, la société en détail, les carrières adaptées, voilà. Donc on continue avec un bestiaire, bien sûr, où là vous allez avoir toutes les bestioles exotiques les plus dangereuses qui soient. On va commencer par la flore, hein, qui peut être très très méchante aussi. Tous les invertébrés, toutes les saletés qui viennent ramper, se cacher dans vos bottes ou dans votre sac quand vous êtes au campement. Tous les reptiles, tous les amphibiens, tous les... Voilà. C'est une catastrophe, quoi. Tout est créé pour vous bouffer, en fait. Hein. Et on finit avec les gros monstres. Donc c'est là où on trouve effectivement du Vélociraptor, du Stégadon, du Reaper dactyle, qui est une espèce de ptérodactyle avec des griffes partout qui vous déchirent. Enfin voilà, des espèces de
comment de crocodiles géants, enfin bon, tout ça est fortement sympathique. Un petit mot sur les quelques tribus orques qui vivent là, qu'on appelle les Savage Orcs, parce qu'ils sont apparemment plus sauvages que ceux qu'on trouve dans le vieux monde. Voilà, et on finit ce chapitre par les maladies de la jungle. Alors là, c'est la fête sur 3 pages. Alors là, vous pouvez y aller. Hein. Les machins qui font brunir et tomber vos parties intimes, les trucs qui s'infiltrent dans votre sang, les endroits où il ne faut pas se baigner, sinon on se fait infecter par des petits vers. Enfin, voilà, c'est sympathique. On a aussi le syndrome du pied nécrotique, qui est très rigolo. Voilà, on vous explique qu'il faut vraiment, vraiment nettoyer ses pieds et les garder au sec tous les jours, parce que sinon, bah, ça va pourrir dans les chaussures et ça va vous ronger jusqu'à l'os. Ouais, non, c'est bien sympa l'ambiance, hein, vous voyez. Donc, on aime bien. Voilà, on finit par comment faire une campagne en Lustria. Moi, c'est la partie qui m'a vraiment un petit peu déçu. C'est assez bateau, quoi, en gros. Hein, on vous dit, bah, pour devenir riche, ou parce que vous êtes appelé par les anciens, vous avez reçu un appel mystique. Ouais, bon, d'accord. C'est pas, enfin voilà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de concret. C'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit peu léger à mon sens. Quelques carrières un petit peu adaptées. L'interprète, l'oracle, qui est en gros un oracle des anciens, hein, voilà, qui peut être un skink, mais pas seulement. Le survivaliste. Et le Trailblazer, que je ne sais pas comment traduire, c'est une espèce de le Trailblazer, vu comment il est décrit, vu l'illustration, c'est une espèce de conquistador, quoi. Voilà. Donc, une description des différentes types d'expéditions. Et alors, il y a tout un système pour gérer l'expédition, ce qui va vous arriver, en fait. Le temps, l'humidité, les trucs qui peuvent se passer. Voilà, vous pouvez vous prendre dessus une simple averse comme des pluies torrentielles ou même une tempête tropicale. Un petit peu toutes les actions qu'il va falloir remplir, trouver des abris, trouver de la nourriture, bien sûr, faire le camp et monter la garde. Enfin, tout ça va donc vous être décrit action par action avec ce qu'il faut faire, avec les jets de dés à faire, etc., etc. Ça rappelle ce que je vous avais dit, vous savez, sur le système d'expédition en bateau qui avait été mis en place dans Sea of Clothes. Bah, ça ressemble à ça. Hein. Ensuite, vous avez des tables de rencontres. Ce qui se passe quand vous explorez une cité, ce qui peut vous tomber sur le coin du nez, mais aussi ce que vous pouvez trouver comme trésor, sachant que donc il y a un trésor qui est particulièrement intéressant, c'est de trouver des plaques en or, en fait, qui sont les fameuses plaques en or, qui sont en fait le legs des anciens à leur création, sur lequel tout le grand plan est écrit. Le seul problème, c'est qu'il en manque. Il y en a qui ont disparu, il y en a qui ont été volés par les Skaven, il y en a qui ont été pillés par des voilà. Et c'est le seul truc parce que les gemmes, le reste des objets en or, etc. Les skinks s'en foutent un peu, franchement. Mais par contre, si vous leur volez ne serait-ce qu'une seule de ces plaques, là, ils iront au bout du monde vous retrouver pour la récupérer, puisque c'est stricto sensu la parole de leur dieu, quoi, que vous avez récupéré. Donc voilà. Comment faire des fortifications, comment créer aussi, un lieu, un refuge, un fort, ou même une colonie. Hein, vous avez des conseils pour créer votre colonie, faire de la déforestation, faire de la construction, et ce genre de choses. Ensuite, on termine avec 3 synopsis, parce que c'est vraiment, ils font 2 à 3 colonnes chacun. Hein. Il y a 3 synopsis de scénario. Et c'est tout. On finit par un index. Et cela vient conclure donc ce livre. Donc, comme je vous le disais, 220 pages, assez complet, hein, pour le prix de 49$. Donc, on est dans du classique, hein, c'est le prix malheureusement. Maintenant, pour un supplément de cette taille, tout en couleur, bien sûr, on est plutôt donc à 50$. Pour terminer, parce que j'ai déjà fait un peu trop long, je suis désolé. Pour terminer... Moi, je l'ai trouvé sympathique. Effectivement, ça relance pas mal de choses d'intérêt. On s'imagine bien mener une campagne là-dessus. Moi, je trouve que ça manque d'éléments un peu pratiques, en fait, pour vous aider à prendre en main ce truc, notamment le niveau de puissance auquel ça s'applique. Parce que sincèrement, que ce soit bien sûr les slans, hein,
sont monstrueusement puissants, mais même chez les skinks, hein, vous avez des trucs qui sont particulièrement dangereux. Les bestioles sont toutes monstrueuses. Donc je me demande franchement, voilà, c'est pas explicitement dit, ça aurait été plus explicite. Il y a un moment où on dit, par exemple, à la fin, là, dans les synopsis de scénario, on vous dit « Ah bah si vous avez fait jouer la campagne impériale, ça serait une chouette suite de les envoyer en Lustria. » D'accord, mais du coup, c'est plus des persos débutants, quoi. On est bien d'accord, quoi. Ah non, vraiment. Ah non. Je pense qu'à la fin de la campagne impériale, le personnage il survit à ça. Il remonte, je prends ma retraite, hein. Plus jamais je refais ça. Hein. Ouais. Est-ce qu'il a vraiment envie d'aller scrouter, de traverser un océan super dangereux, fréquenter des Norse Maboul ou des vampires assoiffés avant d'aller tabasser du lézard géant dans la forêt? Bon, j'ai un doute. Du coup, voilà, je le trouve. Pas, voilà. Moi, j'ai appris plein de trucs, hein. C'était chouette. Maintenant, j'ai une idée claire de ce continent. Je trouve que la civilisation des hommes lézards est plutôt intéressante. Elle n'est pas orientée en permanence vers le combat. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Et on n'est pas obligé de combattre les hommes lézards. Ils ne sont pas montrés comme étant des ennemis héréditaires à détruire absolument. Vous avez un culte. Qui s'appelle le culte de Sotek, qui lui, effectivement, est plutôt en mode croisade contre les humains, mais ce n'est pas le cas de tous. Il y a même certaines villes où les humains sont plutôt bien accueillis et peuvent commercer ou échanger, ce genre de choses, puisque, d'après les Slan, hein, les races, les elfes, les nains, les halflings et les humains ont un rôle à jouer dans le grand plan des anciens, et n'ont pas forcément un rôle mauvais, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément acquis au chaos. On peut s'allier avec eux. Donc voilà. Et notamment s'allier contre les Skaven, ce qui est un axe de campagne qui est évoqué. Mais encore une fois, c'est évoqué, mais jamais, jamais détaillé. Voilà, donc il manque peut-être une cinquantaine de pages un petit peu plus pratiques, moi j'aurais bien aimé, pour faire de ce supplément un incontournable de la gamme. Donc, à ne prendre que si ce supplément, que si cet endroit vous intéresse. Si vous avez encore devant vous 125 ans d'exploration du vieux monde, que vous n'avez pas joué la campagne impériale, que vous, c'est totalement dispensable. Hein. Voilà. Maintenant, si vous avez envie de vous dépayser ou de dépayser vos joueurs, eh ben, ça peut être un très bon choix. Voilà. Ok. Petite question de Shamrock, justement, qui demande, hein, ça manque d'un début de campagne, non? Ou c'est dans un futur supplément? Alors, aux dernières nouvelles, il n'y a pas de futur supplément annoncé sur la Lustrie. Hein, oui, bon, manque de campagne. Alors peut-être qu'ils vont nous sortir un petit scénario d'initiation, parce que Cubicle 7 sort beaucoup de petits scénarios sur leur site, gratuit ou pas. Peut-être que ça sortira un jour, hein, si on en a marre d'aller dans l'Empire. Mais il y a des jeux de mots là dans le chat. Oh là là, vous avez pas honte les gens. C'est extraordinaire. Tout à l'heure, je me bidonne. Hein. Ah, c'est pareil. Mais oui, en tout cas, pareil, j'attendais beaucoup ce supplément parce que la Lustrie, c'est une destination. C'est pas une destination de rêve. On va pas aller jusque-là. Mais dans le genre dépaysement complet, bah, ça fait des années qu'on attend ça, en tout cas dans le jeu de rôle, parce que bon, bah, c'est pas que l'Empire, j'en ai marre, mais j'en ai un peu marre. Hein, quand tu joues au jeu de rôle, tu fais ça ou la Bretonnie, bon, bah, c'est la même chose. Hein. Ça reste des humains. Et Renaissance ou Moyen-Âge. Bon, bah là, par contre, la jungle, c'est quand même un peu hardcore. Ça. La difficulté de la Lustrie, de vivre en Lustrie, c'est juste absurde. Ah oui, ça, c'est bien. C'est plutôt bien expliqué. Hein. On te dit qu'il y a quand même, que généralement, sur 10 personnes qui partent en expédition, une revient. Voilà. Donc, c'est assez. Oui. Vous voyez, ça s'envoie du rêve. Voilà, il va se passer des choses, quoi. Et puis, il vous explique d'ailleurs sur les 10, en fait, vous en avez 3 qui vont mourir de maladie, 2 qui vont se faire bouffer, 4 qui vont. C'est assez rigolo. Ils ont fait des stats. Donc, c'est assez bonheur. Ah, après, on nous demande dans quel état elle revient. Elle revient avec la fameuse relique qui a énervé tous les hommes lézards qui vont venir chez toi via un portail dimensionnel, te péter ta tronche, ta famille, ton village. Et toi, tu vas ramper sur tes moignons parce que tu as chopé la maladie des pieds, là. Tu vas essayer de fuir sur ce qui reste de tes pieds atrophiés. Voilà, c'est vachement sympa. C'est Warhammer, quoi. Ouais. Par contre, c'est le genre de supplément qui te fait relativiser un peu le jeu et que tu te dis, bah, au final, le Grand Nord, hein, la Norska, les désolations du chaos, bah, c'est pas si agressif que ça, en fait. Non, et puis finalement, le métier de ratier à Marienburg, c'est pas si mal. Franchement, ouais. Hein, franchement, Mordheim, c'est très joli en cette saison, on va y aller.
Voilà. Ça a l'air déprimant, ce jeu. Mais non. C'est Warhammer, t'es venu pour souffrir. C'est Warhammer croisé Jurassic Park. Comment tu veux pas aimer le supplément? Je sais pas. Il y a tout qui va dedans. Voilà, j'ai regardé tout à l'heure. Du coup, le pardon, Trailblazer, c'est pionnier. Pionnier, ouais. La définie. Oui, d'accord. C'est un peu ça. La traduction littérale. Voilà. Okay. Père Bémo. Oui, bah c'est ça. Oui, je regardais un peu le chat et oh là, qu'est-ce que vous parlez, c'est incroyable. Mais comme d'habitude, ils ont fait plaisir, des bêtises, hein. Et moi, je peux pas rigoler parce que je suis en train de parler du livre, du coup. Ouais. Ouais. Ah bah ça, ouais, un truc de... La maquette, 15 en fait, fois au bord du rail, j'ai du mal à croire qu'un MJ bienveillant qui envoie ses joueurs en lustrie. Ah, mais pour faire comprendre à tes joueurs, bah arrêtez de faire les cons. Au niveau maquette, illustration, c'est toujours aussi classe, cette V4, là, chez Cubicle 7. Ça se maintient, oui, non, mais ça se maintient. Ouais. Là, j'imagine qu'ils ont été piochés dans leur réserve. Hein. Il y a de belles illustrations en couleur des différentes villes, etc. Donc, c'est plutôt chouette. Ouais. Ouais, c'est plutôt bien. Mais bon, enfin, j'ai pas d'inquiétude pour eux. Je crois qu'ils ont du matériel à disposition pour illustrer, quoi. Ouais, dans Battle. Ah. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup sur ce retour sur l'Illustrie, qui finira dans ma collection quand même, parce que bon, bah, c'est Warhammer et l'Illustrie. Voilà, Warhammer plus dinosaures. Bon. Ouais, alors après, je sais pas, toi qui suis bien la gamme, il y a quoi qui est prévu derrière? En tout cas, là, c'est un peu... C'est un peu ralenti, hein, j'ai l'impression. Ah, c'est pas que c'est un peu ralenti, mais on n'a plus trop de news. Ça, c'était le gros supplément qu'on attendait quand ils l'ont annoncé, parce que enfin, quelque chose de nouveau dans cette gamme. C'est ça. On sait que maintenant, on sait aussi qu'ils ont le droit de développer d'autres régions. On sait qu'il y avait peut-être un scénario sur Kemri. Enfin, l'équivalent de, on va dire de la péninsule arabe dans cet univers. Oui. Donc, où cette fois, on va manger du mort-vivant. Hein, voilà. Voilà, les fameux rois des tombes, ce genre de choses. C'est que ça manquait un peu de létalité, ce jeu. Oui. Ou KT, c'est l'équivalent de la Chine lointaine, où c'est carrément les dragons qui mènent la danse. Ah, ils annoncent un bouquin qui s'appelle Tribes and Tribulations, qui va être sur les tribus orques. Voilà. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu ça. Ouais. Alors, si on peut jouer des orques, ça peut être très drôle. Bon, le gameplay va être léger, mais ça va être drôle. Ah, c'est très bien pour un petit one-shot. Voilà, petit comme ça. C'est ça, après tu fais le street, tu fais un trip à Neekara, ensuite un petit tour à Nagashizar. Mais ça se passe bien, les gens, voilà. Plus vous en parlez, plus me fait déprimer, moi, ce jeu. Non, mais là, c'est en fait, ils sont en train de développer en fait des jeux, des lieux qui viennent du jeu de figurines. Au bout d'un moment, bah, il ne reste plus que les endroits les plus dangereux à développer. Mais maintenant, c'est Old World. C'est la prochaine gamme, c'est The Old World. Donc, il va être Warhammer, mais 200 ans avant dans la chronologie. Ah. Ouais. Voilà. Un jeu pour l'étal. Ouais, Cthulhu, Warhammer, ouais, c'est pas mal. C'est avec ça. Les règles aussi pétées l'une que l'autre, ça va être super cool. Bah oui, tout à fait. Petite cartouche en passant. Hop. Voilà. Non, voilà, normalement, c'est The Old World, donc The Old World, ce sera avant. Donc, le thème, l'ambiance générale, ce n'est pas bientôt la fin du monde contre le chaos qui approche, parce que c'est ce qui transpire beaucoup dans la V4, en mode, le chaos va débarquer, on va tous mourir un grand coup. Hein, mais pas vite. Et là, on est plutôt dans, on sera plus, The Old World, c'est plus une ambiance guerre civile, en fait. Une époque où, bah, basiquement, il y a trois personnes qui prétendent au trône de l'empereur. Ah, ça va être simple. On sera plus dans cette ambiance-là. Bon, maintenant, il faut que ça sorte. Hein. Et Cubicle 7 est sorti, ça ne va pas forcément ensemble. Ça sort, mais au bout de 2 ans. Voilà, j'attends toujours certains suppléments Doctor Who que j'ai préco il y a longtemps. Bon, bref. Ça marche. Voilà. Bien ! C'est 300 ans ! Oh, c'est pas 200 ans ? Oh, de toute façon, c'est avant. Voilà. La chronologie, elle est tellement brouillonne dans Warhammer à la fin, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Bon. Il faudra que tu leur fasses une petite émission de 3 heures pour nous expliquer la chronologie. La chronologie. On va faire ça simple. Les anciens, ils sont arrivés en moins 15 000. Voilà. C'était un lundi, il faisait beau. Écoute, je vais vous laisser Emmanuel et toi faire l'émission Warhammer. Et en fait, je serai dans les coulisses en comptant les minutes qui s'égrènent. Ce sera magnifique. C'est ça. Je vais super. Okay. Ben oui. Voilà. Je suis sûr que Antoine m'apprendrait plein de choses. La chronologie. Avec lui, moi. C'est tellement un foutoir, cette chronologie, vous n'êtes pas prêts. Hein. Je crois que même les auteurs du jeu ne sont pas prêts eux-mêmes. Hein. Et chacun a rajouté des trucs dedans, et au final, tu fais, mais concertez-vous, c'est bien.
Alors, ça se voit un peu dans l'Ustria, hein, pour être franc. Oui, oui, oui. Non, mais... Régulièrement, ils te disent, bon, on vous raconte ça, mais on n'est pas sûr, en fait. Hein. Voilà, les encouragements. C'est cheerleaders. Allez. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé pendant 3 heures de Warhammer. Préparez-vous. Mais oui. Un petit peu plus. Allez. Bon, allez, on va parler d'un autre univers. On va parler de quelque chose d'un peu plus... de différent. Oui. Hein, voilà, de un peu moins agressif. Je vais parler, voilà, de Republic City pour Avatar Legends. Mmh. Voilà, le premier supplément sorti pour la gamme Avatar Legends, hein, outre-Atlantique, hein, sorti chez Magpie Games, hein, les auteurs d'origine du jeu. Hein, voilà. Donc, ça arrivera en France, hein, vous inquiétez pas. Bon, faut déjà attendre que la VF arrive en France. Voilà, ça va arriver, une chose à la fois. Oui, oui. Donc, là, on est sur le premier truc. Donc, on est sur un bouquin, encore une fois. C'est du couverture rigide, c'est 160 pages. Et ça m'a coûté en import 41 euros à peu près. À peu près, voilà. Ce qui, pour la gamme, ça reste cohérent. C'est à peu près les prix du jeu. On est sur une grosse quarantaine d'euros par bouquin. OK. Bon, comment dire ? De quoi que ça parle, bah, c'est écrit dans le titre. Hein, voilà, Republic City. Donc, le jeu Avatar permettait de jouer à plusieurs époques, hein, les différents avatars. Là, on va parler de la Cité de la République. Donc, par défaut, ça va se concentrer sur la période de l'Avatar Korra. Hein, voilà, parce que c'est la dernière en date, là où on a fondé la cité. Donc, en frais de port, Arsène, j'ai pas pris de frais de port. Hein, j'ai trouvé ça sur des boutiques qui font de la port en France. Donc, je ne citerai pas le nom, mais tout le monde la connaît. Voilà. Il est sorti, il est arrivé sur leur site, il a disparu en 20 minutes. Voilà. Bon. Il y a des suppléments comme ça. Il y a des jeux comme ça. Donc, on va parler de la Cité de la République, une cité qui est un petit peu particulière parce que c'est une cité, c'est une sorte, c'est tout nouveau, ça ne fait pas partie de ces quatre fameuses nations, hein, vous. Avatar, les quatre nations, chacune basée sur un élément, vous connaissez le principe. Voilà. On ne fait pas le générique, je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois. Voilà. Ou pas, si vous ne l'avez pas vu, regardez au moins l'animé. Vous ratez rien, au contraire. Bon, donc là, la Cité de la République, petit truc qui s'est créé, voilà, toutes les nations ont dit, on va faire une sorte d'état neutre, où on vit tous à peu près ensemble. Et ça marche tant bien que mal. Autant dire que dans la série Legend of... Voilà, la série Korra, la cité en prend plein sa tronche. Basiquement, chaque saison, c'est une catastrophe. Ça, on va vous en parler. Et sachant qu'on va parler également de ce qui s'est passé en comics après la série. Hein, donc, parce que c'est pas fini, il y a une nouvelle catastrophe qui arrive dans le comics. Mais c'est corrigé, vous inquiétez pas. Voilà, depuis, on a réparé les bâtiments. Ça va mieux. Voilà, mais on a... Bref. L'urbanisme en ville, là, il s'arrache les cheveux. Bon. Une émission résumée pour ceux qui n'ont rien... Ah, il y en a parmi vous qui connaissaient pas Avatar ? Oh, bon. On en reparlera peut-être, ouais, bon, bref, on va peut-être pas résumer tout, parce qu'on en a encore pour 8 heures, hein, c'est encore une série où je vais, c'est un peu trop, hein. Puis bon, Arcane Asylum, on a fait pas mal la com quand même, avec un actual play quand même, qui était pas trop dégueu, hein, quand même, avec un certain Ultima Verba qui nous avait fait ça, hein, voilà, avec des gens assez connus, hein, cherchez, vous retrouverez ça. Donc, Avatar, non, c'est pas les passions bleues. Il y a un super film de M. Night Shyamalan aussi qui est top, hein, pour découvrir l'univers. je troll. C'est pas bien ça, c'est pas bien monsieur. Bref, là on va se concentrer voilà sur ce supplément et on est sur un gros supplément de c'est un gros setting. Il y a du lore, il y a matos pour jouer parce que le jeu de base offrait quelques lieux par-ci par-là, quelques PNJ avec qui discuter, quelques pistes de scénario hein, quand même le basé et tout. Il y avait un recueil de scénar donc on n'a jamais traité sur cette chaîne. Il faudra que je corrige ça un de ces quatre. Voilà. Le recueil de scénarios de Banshee. Là, on va parler de la cité. Et on va en parler en large, en travers, hein, dans tous les sens. Parce que on va parler de chaque quartier de la ville. La ville est assez grande, on parle pas... Il n'y a pas de chiffres sur le nombre d'habitants, parce que le jeu Avatar, l'univers d'Avatar n'a jamais été très précis là-dessus. On vous dit juste que, bah, en termes de population, c'est la troisième ville du monde après Ba Sing Se et la capitale de la Nation du Feu. On est sur quelque chose quand même qui pèse un peu dans le game. Un niveau démographique, c'est pas des timides. Voilà. Donc, on est sur une ambiance... là, par contre, on est sur une ambiance radicalement moderne. Hein.
C'est une ville où vous allez avoir un niveau technologique qui est assez élevé. On a accès à l'électricité, il y a des véhicules à essence, ce genre de choses. Donc, on oublie un petit peu le côté un petit peu Moyen-Âge ou fantasy qu'on avait dans Avatar Aang. Là, on est vraiment dans du moderne, mais avec une grosse dose de spirituel. Hein, il reste de la fantasy, il y a des esprits qui se baladent en ville. Tout va bien. Voilà. Donc, on va vous parler à chaque fois des différents quartiers. Et vous allez voir qu'il y a... Ben, ils ne sont pas tous égaux. Hein. Il y a les quartiers centre-ville qui est très joli, qui est très moderne, avec une population qui est très aisée. Pour eux, tout se passe bien. Voilà. Avec à chaque fois des petites idées de scénario par-ci, par-là. Ça, c'est pas mal. Les différents PNJ que vous allez pouvoir croiser. Donc, je vous montre pas forcément le bouquin parce qu'il y a du spoil énorme. Et deuxième raison, d'habitude, je bascule la caméra sur mon bureau pour vous montrer le bouquin. Il s'avère que depuis quelques semaines, c'est devenu mon établi de peinture. Autant dire que ça ne ressemble à rien. Voilà. Hein, la place est prise actuellement par des petits bonhommes en plastique et beaucoup de traces de peinture partout. Nous voulons ainsi voir. Ainsi que deux boîtes de gâteaux hein, que j'ai pas terminées. Donc, voilà, attention. Non. Donc, je vous montre rapidement. On va faire ça à l'ancienne. Bon. Oulala, ça brille. Oh, ça brille, ouf. Les enfants. Voilà, les projets sont un peu trop costauds. Comme ça. Mais bref, on va retrouver la même maquette. Hein. On est toujours sur un double colonne. Il faut essayer de deviner, parce que ça brille trop. Donc, ouais. Je ferai mieux la prochaine fois, promis. Le mec qui crame parce qu'il a des éclairages. Ben oui, c'est comme ça, vous pouvez voir ce magnifique visage, hein, et des Serbes qui avaient presque disparu, mais qui sont revenus. Bref, comme je disais, différents quartiers, donc soit des quartiers très industriels, des quartiers plutôt traditionnels, avec un petit côté... les petits quartiers traditionnels qu'on aurait à Hong Kong, par exemple, comme on imagine Hong Kong, comme on voit dans les films d'arts martiaux et tout. Donc, ils ont le même design, les mêmes ambiances. On va vous dire, dans ce quartier, c'est plutôt les triades qui mènent et tout. Donc, ça vous donne différentes ambiances. Quartier où c'est très. Là, c'est plutôt les diplomates. On a pas mal de choses. À chaque fois, vous vous présentez 5 ou 6 PNJ, quand même, qui vivent et à chaque fois avec des amorces de scénario. C'est jamais des PNJ qui sont balancés comme ça. À chaque fois, il y a une amorce de scénario concernant ce PNJ. Donc, ça fait plaisir. Non, j'ai pas fait d'infidélité au dieu Balisto, non. Mais le paquet de Balisto, il est ouvert, ça ressemble à rien, donc non, quand même. Et si ma femme voit ça, je vais me faire engueuler. Non, s'il vous plaît, quand même. Bref, on va voir différents. On a pas mal de petits quartiers, on va vous présenter ça à chaque fois. Et à chaque fois, 2 ou 3 amorces de scénario par quartier. Voilà, à chaque fois, un thème par, par quartier, et ça, c'est pas mal. À chaque fois, c'est dans ce quartier-là, voilà les mots-clés des différents scénarios que vous allez pouvoir faire jouer dedans. Genre, là, ça va être, il y a un quartier où, il y a pas mal d'esprits qui vivent là, parce que le portail vers le monde des esprits, il se trouve là. Du coup, ça va être spirituel, des échanges, des apaisés, ce genre de choses. On est dans ce sens-là. Le côté, il y a le quartier plutôt industriel qui va être en mode... Le thème plus, innovation technologique, et peut-être que c'est le quartier où on n'aime pas trop les maîtres des éléments, parce qu'ils représentent un petit peu le passé, ce genre de choses. Et on va vite se rendre compte que ces fameuses grosses menaces qu'on a vues dans la série n'ont pas toutes été neutralisées correctement, et que, par exemple, les égalitionnistes, une sorte de faction qui était en mode « ceux qui ont des pouvoirs, on vous marave, voilà, place à ceux qui n'ont pas de pouvoir ». Il y a toujours dans cet univers une sorte de hiérarchie forcée en mode t'as pas de pouvoir, t'es tout en bas, tu maîtrises les éléments, t'as accès à des postes de prestige. Bon. Ils sont pas tous disparus, certains sont là, peut-être qu'il y en a certains qui foutent le dawa à l'université. Hein, voilà. Donc, il y a des thèmes assez modernes, qu'on va vous parler, qu'il y a des mouvements étudiants. Pour tous, certains qui veulent améliorer les choses, d'autres qui râlent contre les maîtres des éléments, d'autres qui disent que la technologie va trop loin. C'est un traitement résolument moderne de l'univers d'Avatar. Ça m'a fait plaisir. Et les CRS aussi ? Oui, tout à fait. Non, mais vraiment, hein, tu as un petit chapitre sur les forces de l'ordre. Hein, voilà, on retrouve les PNJ, les personnages qu'on a vus dans la série, ils sont là de nouveau. Et on vous explique clairement que eux n'ont aucun scrupule à taper dans le tas, hein, parce qu'on ne sait jamais si le mec d'en face est capable de lancer des rochers ou des boules de feu. Et c'est possible, hein. Ici, les émeutes étudiantes sont un petit peu plus énervées que chez nous, hein, dans cet univers. Un petit peu. Bon, voilà. Donc,
Oui, c'était un petit peu ça, la technologie qui rend un peu obsolète la maîtrise des éléments. Bon, bah là, on arrivait un petit peu après ça, donc il y a une sorte d'équilibre où ils se sont mis d'accord, allez, on va bosser ensemble et on peut réussir à faire des trucs assez sympatoches. Bon, voilà. Donc ça, c'était une très grosse partie, ça fait près d'un tiers du bouquin. Un tiers du bouquin où on est juste description de la ville, de ce qu'on peut faire dedans. C'est généreux, c'est riche, c'est très riche. Quand on compare, on va dire, à ce qui avait été écrit juste dans le livre de base, là, on est en mode, ok, juste avec le contexte de cette ville, je peux jouer des années dans la Cité de la République avant de me dire que j'ai envie de jouer à une autre époque ou à un autre lieu. Ça fait plaisir, franchement, je n'ai rien à redire. Ça fait longtemps, en fait, que je n'avais pas eu une description d'une ville aussi réussie. Il y a des accroches, c'est ce bon équilibre entre c'est suffisamment décrit pour que je sois guidé, mais avec suffisamment de, on va dire, d'espace pour les tables de jeu pour se faire plaisir dedans. Il y a pas beaucoup, il y a des jeux qui n'arrivent pas à cet équilibre. Là, on y est. Moi, ça m'a fait plaisir. Bon. Benvenuto, tu cherches les ennuis. Hein. Fais gaffe. Bon. Ensuite, on a un deuxième chapitre. Donc là, on a un deuxième chapitre qui va nous parler cette fois de règles. Là, c'est plus, on va rajouter trois sous-systèmes pour modéliser ce qu'on appelle le pro-bending. En fait, une sorte de sport. De sport qu'on voyait dans la série Korra, où en fait, c'est littéralement les maîtres des éléments qui font, je ne sais pas comment décrire ça, un croisement entre du volleyball et du MMA. En gros. Voilà, ils sont sur un stade, voilà, ils sont sur un petit terrain et ils se tapent dessus à coups d'éléments. Faut faire tomber les autres du stade. Simple, efficace. Donc, là, on va voir les règles pour jouer à ça. Un petit sursaut de règles qui va plutôt utiliser les règles une modification du système de combat qui va remplacer les manœuvres du combat par des manœuvres, des manœuvres de ce sport. Donc, avec des tontes en mode, voilà, je vais insulter mon adversaire pour le pousser à la faute, une petite gestion du « Hey, je peux haranguer le public pour obtenir des bonus parce que, hey, regardez, le public m'aime bien, donc moi j'ai des bonus, et l'adversaire il est en mode « voilà, bref, jouer là-dessus, c'est assez drôle. » Avec des petites règles également pour que, en fait, si dans votre équipe, il n'y a pas que des joueurs, des joueurs, je comprends, des sportifs, ceux dans le public ont également des actions à faire pour filer des bonus, que ce soit avant en entraînement ou pendant le match, en jouant avec le public. Et c'est assez malin, parce que ça s'arrange bien, ça se mélange bien ensemble, personne ne s'ennuie trop. La mécanique n'est pas trop lourde, même si c'est au final un peu répétitif. Après, c'est le problème de vouloir représenter un sport dans un jeu de rôle. Au bout d'un moment, ça va vite tourner en rond. Bon, on avait pas mal de petits trucs, et ensuite, on va avoir des petites règles, si on a envie, sur le rang et le renom. Si on a envie de faire une campagne orientée, voilà, nous sommes une équipe sportive professionnelle et voilà comment ça se passe. Du coup, on vous explique un petit peu comment ça marche. C'est ultra léger, hein, c'est plus, à partir de tel rang, vous êtes connu de plus en plus loin. Quand vous avez atteint le dernier rang, vous êtes connu mondialement. Du coup, au bout d'un moment, vous avez des sponsors, ce qui peut être assez rigolo. Et du coup, il y a même des petites règles pour organiser un petit tournoi. C'est très simple. Mais voilà, en une page, ça vous explique comment ça fonctionne. C'est rigolo. Avec des idées de campagne dedans et tout, parce que il y a même des idées de campagne où ça parle de dopage. J'aime bien l'idée. T'as pas. Une petite ambiance 1920, mais il y a du dopage. On n'est pas perdu. Ensuite, on va avoir un autre chapitre qui va parler des véhicules. Parce que dans Korra, on a beaucoup de voitures modernes. Enfin, de la petite voiture jusqu'au char d'assaut. Voilà, on va vous donner les règles pour utiliser les véhicules. C'est pas bien compliqué, ça rajoute une mini-règle en plus. Voilà, c'est super simple. Comment gérer une course? Une fois, c'est assez léger. Hein, on se prend pas trop la tête, on lance un D6. Ça peut changer un petit peu la place, c'est léger. On vous explique que si vous voulez toujours utiliser vos maîtrises des éléments pour balancer une boule de feu sur la voiture d'à côté, c'est tout à fait possible. Hein, voilà. De toute façon, les joueurs l'auraient fait, hein, qu'on leur autorise ou pas. Et puis... faire des petites manœuvres spéciales, un tête à queue, ce genre de choses. Simple, efficace. Des petits exemples de courses. C'est pas... Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Mais bon. Les voies du vélo. Ah, je ne sais pas. Par contre, il y a des véhicules. On vous propose des trucs. C'est presque un vélo, en fait. Hein. Et le dernier chapitre, c'est les mécas.
Parce que dans Korra, à la fin, je spoil, voilà, mais il y a des mechas. Beaucoup de mechas, parce que voilà, c'est moderne et qu'il faut lutter contre les maîtres des aimants et contre l'avatar. Du coup, on sort des mechas. Du coup, vous allez avoir les règles pour faire, pour jouer avec des mechas. On joue pas un mecha. On joue la personne dans le mecha. Donc, soit il y a le mecha basique, il y en a quelques exemples, soit créer son propre mecha et pourquoi pas bah, en faire un personnage à part entière avec des défauts, une histoire. Voilà, des particularités. C'est rigolo. Est-ce que c'était nécessaire encore une fois? Je ne sais pas. Mais c'est, après, c'est l'un des trucs emblématiques de la série Korra au bout d'un moment. Voilà. Le méga mecha de la saison 4, on vous en parle rapidement, mais comprenez qu'on n'est pas censé jouer avec. Voilà. Voilà, on parle d'un mecha taille Pacific Rim. Ah ouais, est-ce que c'est comme Polaris où, par exemple, tu as ta feuille de perso de mecha? Alors, non. Non, non. En fait, la fiche de perso, je ne l'ai pas revue. Je vérifie rapidement, mais je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu de fiche du mecha. Non, non, il est... On lui rajoute juste, on met sur une feuille, voilà, mon mecha a telle capacité, il a le droit à ça ou ça. Et c'est pas vraiment chiffré. C'est plus à chaque fois, c'est on va lui dire que tiens, il a accès à telle technique. Vu qu'il a pris cet objet, il aura le droit à cette technique s'il veut se battre. C'est tout. Mais on n'est pas sur quelque chose de très très compliqué. Vraiment, si on compare par exemple à Tadi Polaris, je vois Jared qui parle de Knight, on est sur une version beaucoup plus narrative. Hein. On rappelle que ça tombe sous Apocalypse, alors attention, on ne peut pas se permettre de rajouter trop de couches de règles. Et déjà que si vous avez rajouté tout ça, le jeu commence à devenir un petit peu technique quand même. Et ensuite, un nouveau chapitre avec des nouveaux playbooks, donc trois nouveaux archétypes rajoutés, histoire d'en avoir beaucoup, parce qu'entre le livre de base, le recueil de scénarios dont je parlerai bien prochainement, et ça, on arrive à, je crois, pas loin de 17 archétypes. Ça commence à être sympa. Si vous savez pas quoi jouer, franchement, c'est vous le faites exprès. Hein. Donc, il y en a un, faut traduire The Adrift, je sais pas trop comment le traduire. En fait, un personnage qui cherche une cause dans laquelle s'investir, vraiment. Quelqu'un qui avait une situation confortable, mais qui cherche une cause pour vraiment briller. Donc en fait, c'est plus quelqu'un qui va devoir travailler pour réussir à sortir de sa routine. C'est ça, son truc à lui. Il peut faire de grandes choses, mais vraiment, il est très pantouflard au début. C'est la stabilité, son truc. L'aspirant qui est, on va dire, quelqu'un qui est en mode... qui veut changer les choses. Voilà, c'est un grand... Voilà, il veut changer les choses. Il a un modèle. Il veut tout faire pour ressembler à ce modèle-là. Bon. C'est très bien. Mais après, il va falloir qu'il trouve un moment où il doit prendre des distances par rapport à ce modèle qu'il a adulé toute sa vie. Parce que souvent, il va prendre pour modèle un des personnages de la série. Ils n'ont pas tous réussi dans la vie, hein. Quand même, ce n'est pas tous des héros impeccables. Bref, voilà. Et le tout dernier, c'est le Outcast, hein, qui en fait a été un petit peu dégagé de la société et qui aimerait bien réintégrer la société. Voilà. Voilà, donc, trois petits archétypes sympatoches, histoire de rajouter. On ne peut toujours pas jouer un Raptor, je suis désolé, Sloopy, mais je ne désespère pas sur un futur supplément. Et on va finir. Avec, finir avec un scénario. Petit scénario d'enquête, voilà, plutôt tranquille, dont le thème va tourner autour des courses illégales. D'où les règles de voiture juste avant. Alors, là par contre, je suis un peu plus circonspect sur le scénario qui est rigolo, mais qui n'a pas de véritable enjeu. En fait, oui, on va aider des petits jeunes qui se mettent en danger inutilement pour le profit des triades. OK. Mais il manque ce petit quelque chose qu'on avait dans le livre de base, qu'on avait deux scénarios dans le livre de base qui pouvaient nous amener très très vite, très très loin dans une grosse campagne. Là, je trouve le début un tout petit peu trop timide, malheureusement. Mais bon, c'est sympa. Il est peut-être un peu court. À la lecture, je me dis que même en brodant un peu, on ne dépassera pas les 4 heures de jeu avec ce scénario-là. Ceux du livre de base étaient quand même un peu plus complets. Et puis, il faut que j'arrête de lire le chat. Hein. Vous êtes terribles. Hein. Vous êtes terribles, les gens. Voilà. Pour en plus, une fois, je suis pas dedans pour peut... rajouter une couche. Ah, mais tu peux, hein, vas-y. Hein. Avatar Furious, Vin Diesel, Vin Beecham. Wow, tu peux y aller. Wow.
Voilà. Ok. Donc bon, petit scénario sympa pour terminer, puis ça permettait de rencontrer des personnages emblématiques de la série. Vu qu'en fait, chaque fois, ces scénarios officiels servent à rencontrer un PNJ important. Bon. Et bien là, c'est Mako. On est là pour rencontrer Mako de l'équipe Korra, qui bosse maintenant dans la police. Bon, voilà. Et ça se termine là, tranquille. Bon. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, pour un premier supplément sur la gamme Avatar, je l'attendais avec beaucoup d'impatience, parce que pour moi, le livre de base avait été très réussi. Le recueil de scénarios était très sympa. Et je me suis dit, bon là, il faut continuer à capitaliser sur le succès du jeu, de réussir à faire quelque chose de vraiment très bon. Et ils ont réussi. Pour moi, la description de la ville est vraiment très bonne. On a un vrai cadre de jeu, c'est vraiment très réussi. Bon, après, les règles supplémentaires qui ont été rajoutées, la surcouche de règles pour faire le pro-bending, les véhicules, les mécas, est-ce que c'était nécessaire ? Je ne sais pas. Je trouve le jeu, pour moi, sous cette version d'Apocalypse, peut-être un peu trop technique déjà que le combat et ces fameuses techniques de combat et tout qui rajoutaient déjà une surcouche. Pour moi, on était déjà dans la version peut-être la plus mécanique qui existait un peu du système Apocalypse. Là, j'ai peur que... Ah, on arrive à un niveau où ça devient vraiment trop compliqué. Et voilà, on perd le côté narratif vraiment qui fait le sel de l'Apocalypse et ça devient un peu trop technique, mécanique justement, c'est dommage. Bon, après j'ai pas essayé encore, hein, mais mes joueurs ne sont pas encore là. Ils sont déchaînés. Oh, vous êtes déchaînés, incroyable. Et voilà, c'est moi qui bois le café, c'est eux qui sont déchaînés. Incroyable. Voilà. Et le scénario que je trouve un petit peu timide, en fait. Je pense qu'il aurait pu servir d'accroche à quelque chose de plus gros ou un plus gros fil rouge, en fait. Ça mène à une petite intrigue qui est mentionnée dans le jeu, dans le bouquin avant. Mais je pense, c'est dommage. Il aurait pu, je pense, mener à un vrai, pas un gros complot, mais à quelque chose de beaucoup plus grand qui impliquait toute la cité. Bon, peut-être que ça arrivera après, hein. On ne sait pas. Il y a des scénarios qui vont arriver plus tard. Ça continue. Il y aura un recueil de scénarios qui a été annoncé dans la Cité de la République, donc peut-être que ça continuera de développer là-dessus. Bon, en tout cas, voilà. Pour un premier supplément sur le truc, c'est pas mal du tout. Après, il faut aimer l'époque Korra. Hein. Je sais que c'est un animé qui a divisé les fans. Voilà. Mais bon, on peut pas toujours jouer à Basing Se, hein. Voilà. Donc pour moi, c'est du très bon. Maintenant, j'attends que ça arrive en français. Voilà. Bientôt. Voilà. À vous les studios. Eh ben écoute, on est pas mal. Bah oui. Il y a déjà deux beaux zooms. Et puis en plus, il y a Marilyn en plus, tu vois. Donc non, c'est une bonne reprise, tu vois. On est quatre en plus. On est très bien. Ouais. Ouais, on est bien. Ah, il n'y a pas de guerre à Basing Se, tout à fait. Eh ben écoute, attends, je vais essayer de faire ça. Voilà, c'est incroyable. J'arrive presque à penser à tout faire en même temps. Regarde. C'est parce que t'es là, tu vois, ça, d'un coup, ça revient. Sinon, j'oublie tout. L'actu de la semaine. Bah, déjà, on peut la commenter ensemble, hein, parce qu'elle est... On va dire qu'elle est pas très dense, hein, ça va. On est calme. En actu. Bah, écoute, je vais commencer par les trucs que j'aime le plus, en fait, c'est annoncer quelques festivals. Parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, encore ce week-end. Alors attends, je vais essayer de faire même mieux. C'est un truc de dingue. Voilà. Incroyable. Oui, enfin, n'en rajoute pas non plus. Mais quand même, ça a marché du premier coup. Ouais, je sais. Donc, le premier que je vous annonce, c'est Ludinor. C'est The Place to Be pour ceux qui sont dans le nord de la France. C'est vraiment un. Il paraît que ça fait partie des gros festivals de jeux, en tout cas, même pour le jeu de rôle. Hein. En France, donc bah voilà, Ludinor, 23 et 24 mars, et je sais plus quelle édition c'est, je crois que ça fait un petit moment que ça existe. Ah ouais, je crois que c'est assez ancien. Oh, oui, hein. Ouais, je vais juste regarder. La 9e, t'as une petite, en tout cas, je sais pas si c'est la 9e, ah non, 2017 c'était la 9e, donc, voilà, bon. Un par an. Bon, en tout cas, voilà. Déjà, l'affiche, moi, j'aime beaucoup. Hein. Quand même pas mal. Et puis surtout, bah, tu vois tout ce qu'il y a en programme, c'est ouf, hein. C'est assez énorme, hein. Donc hop, je vais me mettre dessus. Voilà, on a du cosplay, on a des structures gonflables en extérieur pour les gosses, ça marche toujours. De la peinture de figurines, ça marche toujours aussi. Bah, les
les jeux de cartes à collectionner, bon, bah, voilà. Des murders. Les jeux All-Star qui ont eu des prix sur les 20 dernières années, donc en gros les gros jeux quoi, de société, remise des concours créateurs, des créations de jeux, des dédicaces, jeux de rôle, bien évidemment. Ouais, ça c'est fort de monstre, tu vois. Enfin voilà, c'est un peu la folie, tu vois, au niveau programme, donc quand même pas mal de monde. Alors jeux de rôle 2024, allons voir. Bah, t'as du Distart, t'as du Petit Détective de Monstres et mon premier jeu de rôle, justement, voilà, pour les tout petits. Et ils ont au programme L'Anneau Unique, Awakened, Bitume, Chronique de l'Étrange, Cryptomancien, Écurie, Fabula Ultima, Sous la colline au bord de l'eau qui vient de sortir, cool. C'est vrai. Du Wall of Wide, oui, effectivement, je crois qu'OBA est présent, je sais plus, écoute, il me semble. Et Alconost qui sera présent aussi, donc c'est encore plus cool. Donc voilà, tu vois, ça fait quand même pas mal de monde, donc très chouette festival, Ludinor. Et ensuite, on va passer avec notre petit jeu que nous allons attaquer. J'aurais dû prévoir, la prochaine fois je le ferai, tu sais, avec un petit montage d'images et tout à la con. C'est « Mais où se cache Sylvain Delestria ?» Voilà. Parce qu'il arpente beaucoup de conventions en France. Là, pendant 2 semaines, il est resté calme, le bougre, et c'est reparti. Là, c'est reparti. Ce week-end, il se cache à Ostara, le voyage dans le temps. Donc ça se passe... Alors attends, ce sera mieux si je me mets sur la rubrique actu. Voilà. Ça se passe à Derval, en Loire-Atlantique, le 44. Pareil, ce week-end. Donc c'est la 3e édition. Et c'est marché fantasy, marché steampunk, du trollball, du quidditch, des jeux de rôle, des jeux de société, du cosplay, du ludique, du festif, gratuit, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'est plus à la sauce imaginaire et ludique. Donc tout ce qu'on aime. Et Ostara, j'en ai entendu parler vraiment en bien, en tout cas par les gens du coin. Donc voilà, bah, si vous voulez chercher du Elestria, il sera là-bas. Voilà. Donc c'est plus « Where in the world is Carmen Sandiego », c'est « Where in France is Sylvain ». Nouveau jeu. La troisième convention ludique, c'est... Oui, c'est... du coup, je ne mets pas les liens dans le chat, hein, excusez-moi. Non, c'est fait, t'inquiète pas. Merci beaucoup. C'est Happy Games à Mulhouse, du 22 au 24 mars. Donc ils disent le plus grand festival dédié aux activités ludiques en Alsace. Voilà, ça rigole plus, hein. Attention les yeux. Voilà, beaucoup de bénévoles, mais c'est combien Jeux et Compagnie ? 250, hein, je crois. Hein. Il me semble. Ouais, c'est ça. Ah ouais, quand même un paquet. 250 bénévoles de son partenaire. Ouais, ça, ah c'est oui, à peu près la même taille, tu vois. 7 000 m², c'est 6 500 sur Épinal. Ça fait quand même pas mal. Bon, par contre, là, tu vois, entrée payante, quand même. Ça, faut le savoir. Par contre, dedans, t'as les jeux en bois, les jeux de cartes à collectionner, les jeux de rôle, les jeux de société, jeux du monde, jeux jeunesse, jeux vidéo et protozone. Donc, c'est quand même un gros paquet de trucs. Après. Il faudra voir un petit peu tout ce qui se passe. Il paraît que c'est très sympa hein, pour les collègues qui sont alsaciens. M'en ont dit aussi du bien. Donc, si vous êtes dans le coin, bah, écoutez, Happy Games, c'est ce week-end. Voilà. Et puis, c'est bien présenté, comme tu peux le voir. Donc, voilà pour les festivals. On remet un petit peu sur le fichier actu. Les financements. Financements participatifs. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais c'était très calme. Tout va bien. En tout cas, pour Kickstarter, je vais rester très calme, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va être clair, Kickstarter, ces derniers temps, tu sens que Donge, la nouvelle édition, va pas tarder, donc bah, ouais. Il se passe pas grand-chose, et tu as un gros paquet de bousasses, soit des figurines pour mâles en manque de femmes, je crois qu'il y a pas d'autre mot à ce niveau-là, parce que ça déborde dans tous les sens, c'est lamentable. Soit, ou alors c'est moi qui ai très mal réglé mes préférences Kickstarter, des fois ça me fait un peu peur. Bref. Et puis beaucoup de trucs, 5e édition, fait sous IA, ChatGPT, tout le reste. Donc c'est dur de faire un choix. Donc du coup, j'ai quand même choisi un qui vient de se lancer aujourd'hui, je pense que vous en avez parlé. C'est Coriolis. The Great Dark. Les grandes ténèbres. Donc. Je ne vais pas vous faire un résumé de Coriolis et de la campagne des icônes. Je ne vais pas parler de la VF, il ne faut quand même pas déconner, soyons sérieux. Mais en tout cas, en VO, la campagne s'est terminée, il s'est passé plein d'événements. Et en gros, il y a des réfugiés qui sont partis dans un gros vaisseau.
le vaisseau ville de Chip City. Et vous partez vers un autre horizon. C'est plus le troisième, c'est peut-être le quatrième, donc à voir. Sauf que vous arrivez dans un système stellaire où il y a un paquet de trucs bizarres encore, à nouveau. Ça change. Hein. Et cette fois-ci, par contre, on est plus dans une optique d'exploration, d'anciennes ruines, de sombres secrets, etc. Et en même temps, les intrigues politiques dans le vaisseau ville, ce que vous voyez hein, là derrière. Donc en fait, c'est un nouveau Coriolis, une deuxième édition, hein, mais qui va plus vers l'exploration que vers ce qu'on avait dans la première. Il n'y a plus vraiment le truc des icônes. Est-ce que quelqu'un avait joué, Marilyn, tu avais joué à Coriolis ou pas? Non. Non. Ouais. Non. Fred en non. Bah non, puis ça veut dire que vu la qualité de la VF, autant te dire que non, hein, voilà. Malheureusement. J'avais testé la VF à l'époque, quand elle était sortie, voilà, en tant que boutiquier, il fallait que je le présente. La VF était buggée de partout. Hein, parce que... En VO, il y a PC pour personnage, voilà, pour parler d'un personnage. Player character, hein. Player character, qui est traduit en VF par ordinateur. C'est compliqué, je comprenais pas pourquoi l'ordinateur il commençait à parler dans le scénario, mais d'accord, il avait le choix. Mais... Bref, après, j'ai revu la VO, le jeu est bon. Franchement, il est très bon. C'est juste que juste avec le livre de base qu'on avait à l'époque, juste avec le livre de base, le jeu avait l'air un peu léger en fait. Beaucoup de promesses, pas d'univers. Par contre, la campagne, elle a sérieusement développé le truc. Tout l'univers, ouais, tout à fait. Et la mécanique est sympa. En fait, littéralement, c'est vous prenez Alien. Vous enlevez l'horreur et vous mettez des pouvoirs psy. Et vous avez Coriolis. Une version plus... on est en haut de la chaîne alimentaire pour une fois. Voilà. On finit le scénario. La campagne des icônes, pour l'avoir parcourue, c'est quand même assez impressionnant. J'ai pas lu la fin. Mais après, j'ai eu de très très bons retours sur ce jeu. Ouais. Bon, après, les personnes qui m'en parlent, c'est la VO. Voilà. Mm-hmm. Okay. De toute façon, c'est pas sorti en VF, alors bon. Non, j'ai toute la gamme, mais je ne l'ai pas lu, je dois avouer. Donc là, voilà, une deuxième édition qui arrive en financement. Bon, autant vous dire qu'en 14 minutes, c'était financé. Hein. Oui. Hein. On est déjà sur... Bon, il n'y a que 3015 contributeurs. Ça va. Ah, pardon, 3021. Le temps de la mise à jour. Oui, voilà. Soyons fous. Donc, on a déjà plus de 307 000 euros, c'est-à-dire... Alors, ils demandaient 250 000 couronnes suédoises. Ça va, ils n'en ont que 3 486 000. De toute façon, le prochain palier, il est à 3 500 000 couronnes suédoises. Ouais, faut quelques milliers d'euros, c'est réglé. Il faut diviser par 10, hein, si vous voulez, ouais. Les euros. Mais de toute façon, c'est du free league. Je me fais pas trop de soucis pour eux. Le système, c'est toujours le Year Zero Engine. Ça n'a pas changé. C'est le système free league. En même temps, au bout d'un moment, on a envie de te dire, ils savent faire que c'est ça. Hein. Puis là, pour le coup, c'est beau, quoi. Enfin, je veux dire, ah, c'est bon. Ouais. Voilà. Il y a toujours le titre du jeu sur l'écran. Hein, ah bah, spécialité c'est dommage, parce que l'illustration de l'écran, je la trouve splendide. Alors, elle a l'air splendide là. Attention, c'est un écran Free League. Traduction, il va être beaucoup plus sombre en vrai. Ah oui. Ah oui, oui. Sur la photo. Visible. C'est dommage. On se souvient avec douleur de celui de Tales from the Loop en VO. Oh bah, Blade Runner. Hein. Tales from the Loop, Blade Runner, Alien, One Ring... Oh, One Ring, m'en parle pas, je déprime à chaque fois. Alors, regardez-moi cet écran, il est beau. Ouais. Ah oui, il a l'air. Bon, après, on est sur la formule classique. Hein. Livre de base, version collector, écran, Starter set, c'est génial. Ça, franchement, c'est bien. Ça, les gens, c'est bien. Voilà. Donc voilà, pour Kickstarter, j'ai pas été en voir d'autres, j'en garde quelques-unes pour la semaine prochaine, tu vois. C'est des petits jeux, des trucs sympas, mais... Voilà, tu sens vraiment qu'il y a de l'attente aux États-Unis en tout cas, pour sortir des gros trucs, parce que Donge va arriver et je pense que beaucoup d'éditeurs se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Vraiment, hein, c'est vraiment l'impression que ça donne depuis déjà quelques mois. Hein. Voilà. Ça, c'était pour ça. Ensuite, on bascule chez Game on Tabletop. Autant vous dire que le mois de mars et d'avril, c'est comme l'an dernier, comme il y a deux ans, comme depuis quelques temps déjà. C'est totalement absurde au niveau des sorties. Maintenant, après, ceci dit, vous avez le choix. Ah oui. Enfin, selon le style de jeu que vous cherchez, là, vous ne pouvez pas dire que vous n'aurez rien en mars-avril. Il y en a un petit peu pour tout le monde, tous les goûts, quasi toutes les bourses. Donc, il y aura de quoi faire. Oui. Donc, je vais vous parler simplement de trois
financements qui sont lancés là depuis la semaine dernière. On l'avait déjà évoqué, mais là, ils sont lancés. Vous avez déjà Célestopol 1922, le jeu de rôle chez Entremonde Éditions, avec inspiré, donc des, adapté des romans de, d'Emmanuel Chastelière, hein, qui en plus écrit dans le jeu de rôle. On est, bah voilà, ça a été financé aujourd'hui. Ça a pris un petit peu de temps, mais ça y est, c'est fait. Alors, 88 souscripteurs, plus quasiment 11 000 euros. Ça fait pas beaucoup de souscripteurs, bizarre comme démarrage. Après, il y a trop de jeux mais, en même temps, ça, c'est normal. Oui, mais après, si tu cherches du steampunk, t'en as pas non plus des millions de jeux, si tu veux, tu vois. Ça aussi. Le steampunk n'a jamais vraiment marché en France. Hein. Il y a ça surtout. Ouais. C'est une communauté qui est encore plus réduite que les fans de super-héros, c'est vous dire. Alors que c'est très amusant parce que le steampunk, en termes de cosplay, de fringues, etc., ça cartonne, vraiment. T'en as partout. Mais par contre, effectivement, au jeu de rôle, c'est plus compliqué. Même en roman, d'ailleurs, hein, c'est plus confidentiel. Ouais. Effectivement. Donc en tout cas, voilà, c'est en cours de financement. Les prix sont franchement pas déconnants. Tu vois, l'écran plus le bouquin et les PDF, 70 balles. Avec le recueil de scénar, une campagne, etc., ça doit être à 100 balles. Ouais, c'est cool, quoi, tu vois, on est bien. Après, c'est des collecteurs, bon, pff. Voilà. C'est ce que je pense des collecteurs. Pas grand-chose, pour pas dire plus. Ceci dit, on va recevoir normalement, il faut juste que je leur renvoie le lien, ça peut être pratique. On va recevoir donc entre Monde Édition, juste que je regarde la date, c'est dans le planning hein, de ce qui arrive, le 21, c'est-à-dire dans 2 jours. Waouh! Ah ouais, déjà, ok. Ah oui, peut-être que je leur envoie le lien effectivement. Donc voilà pour Célestopol. Victoriana en anglais, il est excellent, Victoriana. Il est très 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 bon. Chez Cubicle 7. Moi j'adore. Moi je regrette juste que par exemple le dé spécial on puisse pas l'avoir en option. Ah oui. Sur la précommande là de. De Célestopol, ouais. Ouais, ouais. Ah, attends, d'accord. Le dé de la lune, voilà. Bon après on pourra toujours leur demander. Par contre l'écran, ouais, il est juste magnifique. Voilà. Je me oui. mets dessus, hop, voilà. Et il n'y a pas de dessus. Tout. Non. Et ouais, non. Et ça, c'est bien. C'est pas frilique, quoi. Voilà. Donc, non, ouais, ouais. Il ne se fâche pas et c'est mieux. Ouais. Il ne devient pas tout rouge, il ne tape pas partout. Non, voilà. C'est cool. Merci, Entremonde, de penser à la santé mentale d'Antoine. Donc ça, c'est le financement qui s'est lancé et qui est financé. Ensuite, un deuxième qu'on est au courant déjà un petit peu au moins, puisque le créateur nous avait envoyé des petits PDF pour nous teaser, c'est Voltige, les contes de la mer Azur, aux éditions dérivantes, donc par Enzo, qu'on a croisé d'ailleurs au Fige à Cannes, hein, Manu. Ouais. Il était sur le stand de Dead Crows, d'ailleurs, je me souviens. Et bah, après Paul Scar, là, il nous pond un jeu... qui, moi, me parle, en tout cas. Personnellement, le thème me parle, peut-être plus que Polskar. Bon, déjà, j'aime bien le système d'expédition, mais là, quand on me dit que voilà, t'es sur un archipel, tu vas devenir voltigeur, c'est-à-dire en gros pilote, hein, voilà, et que c'est très, très inspiré de Porco Rosso, Pearl Harbor, Aviator, etc., la mer Adriatique. Voilà, tu incarnes des voltigeurs pilotes de planeurs à haute vélocité qui luttent pour leur famille, la gloire ou l'indépendance de leur archipel, qui explore les thèmes de la liberté, du devoir de l'honneur et du fascisme et de la guerre, ça rigole pas, et tu es basé sur de l'apocalypse, en plus, avec les manœuvres, etc. Des rythmes pour des one-shots, plutôt que des campagnes, donc franchement, j'en pense plutôt que du bien. En plus, j'adore l'univers graphique de l'auteur, parce qu'il fait tout seul. Hein. Les textes, les maquettes, les illustrations, tout. Voilà, et ça donne un ton. Moi, j'aime beaucoup. Et on va recevoir Enzo, pareil, cette semaine. Donc, je vous redonnerai les dates après. Donc, 40 souscripteurs, 2700 euros. On est quasiment financé. 90%, tu vois, c'est 3000 euros pour être financé. Je paye une partie des frais d'impression. Quoi. Donc, voilà, on en reparlera plus longuement. Ensuite, si vous voulez en causer en parallèle, n'hésitez pas. Hein. Moi, je les déroule. Et puis après, je sais pas si vous avez été voir Paul Scar déjà ou pas du tout. Je crois pas encore. Pas encore. Il est il est dans la pile à lire. Hein, ah oui. Avec les 213 autres bouquins. Et il est très original, le Polskar, pour le coup. Hein. Ensuite, les chroniques de Barnabas. On l'avait évoqué la semaine dernière avec Manu.
Voilà, donc c'est pas que chez moi là, le fait que ça charge non, pas non, leurs non, images. Non, c'est Game on Tabletop, c'est normal. Non, c'est eux, leur page, elle met plus de temps à charger. Sincèrement, je pense que c'est eux. Ouais, parce que... Oui, c'est eux, je te confirme. Tu vois, hop, ça y est, c'est arrivé. La taille de leurs images doit être démesurée. Ah, peut-être, oui. Ouais, exactement. Ils ont peut-être pas fait une bonne compression des JPEG. Ça peut arriver. Après, ceci dit, quand tu vois les illustrations, tu comprends mieux. Alors, on l'avait évoqué la semaine dernière, parce que ça sortait de nulle part dans le planning à sortir, tu sais, à deux jours près, tu es là, tu fais « Hein, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment? Quoi? Qu'est-ce ?» Donc, édition Discordia, moi j'ai fait mes recherches, j'ai jamais trouvé. Je me dis « Bon, ok, la structure, elle arrive, quoi. » Ouais, bah, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bon, c'est du steampunk. Voilà. Ça va être très compliqué, parce qu'on a pour l'instant que 3 souscripteurs, hein, on va pas se mentir. Maintenant, on est sur du steampunk. Donc, un peu comme Célestopol, sauf que tu n'as pas la communication qu'il y a avec Entremonde, si tu veux. Ce qui fait la grosse différence, justement, dans le fait que la campagne puisse démarrer ou pas. C'est vraiment le gros défaut. Et alors, pour le coup, j'ai bien lu toute la page, tout le pitch de l'univers qui est présenté, de ce qu'on peut y jouer, du système de règles et tout. Écoute, franchement, ça a l'air vraiment très intéressant, y compris pour les illustrations où tu dis, voilà, non, là, zéro IA, c'est tout nous, on a pris notre temps, etc. Donc, voilà, tout expliqué bien et bien en plus. C'est pas déconnant au niveau des prix non plus. Donc, franchement, c'est même plutôt intéressant. C'est juste que ça pâtit. Alors, déjà, de deux choses. Premièrement, le steampunk, on vient de le dire, ben, c'est compliqué. Et deuxièmement, s'ils communiquent pas un petit peu en amont, et quand je dis communique, c'est pas nous contacter nous. Hein. Quand je dis nous, c'est les médias rôlistes. C'est juste essayer d'en faire parler sur des groupes Facebook, des trucs comme ça. Tu vois. Rien que la base, quoi. Rien que ça. Et là, rien. Que dalle. Donc c'est pour le coup, autant il y a des jeux des fois qui se lancent à l'arrache, tu te dis bah tant pis pour eux. Autant là, pour avoir lu le pitch, tu te dis mais c'est con, parce que leur jeu il a l'air vraiment sympa quoi. Donc écoute, si ça échoue là, ce que je ne leur souhaite pas, hein, mais si ça échoue là, qu'ils revoient leur copie com, parce que le reste il est bien quoi. C'est bien les gens, ça va. Donc voilà, pour les chroniques de Bardabas, tu vois même la fiche de perso, tu vois, elle est pas dégueu quoi, elle est super clean, super claire. Ça va quoi. Bon, écoute. Et voilà les prix, tu vois. 10 balles PDF, 40 balles, t'as le bouquin. Pour les deux bouquins, 70. Ça fait 35 par bouquin. On n'est pas dans le truc qui t'écorche vif au niveau du compte bancaire, quoi. Ça va. Hein. Non, c'est raisonnable. Ah ouais. Donc, steampunk, communication, égale, c'est difficile. Donc ça, c'est pour les 3 financements en cours. Vous m'excusez parce que du coup, comme je zappe, je regarde pas vos commentaires sur... Oh, t'inquiète. Hein. Est-ce qu'on est des... Oh oui. Sur les jeux de mots, oui. On dira rien de plus. Et oui. Ça sort de nulle part et aucune com. Bah oui, voilà, c'est exactement ça. Et oui. C'est ça. Et c'est un financement sur 3 mois. Ouais, et effectivement, je suis d'accord avec Katsu, c'est ce que je viens de vous dire, hein. c'est très intéressant hein, à la description, vraiment. Et mars est super chargé, non, tu n'as pas encore vu avril en fait, tu n'es pas prête. C'est encore pire avril, ce qui arrive. Voilà. Parce que nous, on a déjà quelques dates, et je fais non, mais... Ça ne s'arrêtera pas. Oh là, là, ça va être un matraquage, façon... avril. Hein. Oh. Ouais, jusqu'à juin, de toute façon, ça va être le tunnel. Oui. Oui, c'est des petits bouquins, ouais, 50 et 130, effectivement. Voilà. Oui. Donc voilà. Alors ensuite, sur les financements. Alors attends, je me revois où je suis dans le. Qu'est-ce qui va arriver? Voilà. En cours, toujours en cours, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas en refaire un plat. Vous avez toujours Dragonbane chez Arcane Asylum. Vous avez toujours Diffraction Obsidionale pour Notes chez 7 Mess. Et vous avez toujours Assassin's Creed chez Arcane Asylum. Voilà, c'est les 3 qui sont toujours en cours de route. Qu'est-ce qui va arriver? Donc on en reparlera. Elestria, la marche des morts, donc la partie scénario hein, de chez Léviathan Édition, qui arrive le 29. Donc on en reparlera avec Sylvain, justement, hein, celui qu'on essaie de retrouver en France. Ensuite, il y a Traveler hein, chez Mnemos. Je vous en reparle après dans le planning. Vous aurez chez Black Book Édition, le prochain financement, c'est les provinces du Haut-Lac, plus une campagne pour l'Aïdite. Si, vous avez, si la cité Sainte, voilà, vous avez fait le tour. Je sais pas comment, mais ok. Ouais, vous l'avez bien poncé, c'est-à-dire que là, vous avez joué non-stop depuis 2 ans dans la élite, vous n'en pouvez plus à raison de 2 parties par semaine. Bon, bah voilà, les provinces du Haut-Lac, c'est fait pour vous. Déjà, ça veut dire que vous avez réussi à le finir à lire d'un bout à l'autre. Ouais,
C'est gros pavasson. Mais c'est dit. C'est un beau bouquin pour le coup. Hein. Donc voilà, là, Elite. Et il y a Sean Chrysalis chez Uri Games. On a déjà parlé dans l'interview du Fige. Forcément, on en reparlera plus en détail quand il arrivera. Et Dédale Maze chez les Doussins. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Juste une petite ligne aujourd'hui. Mais on en reparlera quand il sera en financement. Donc, c'est... Et je ne les ai pas tous évoqués. Hein. En plus, je trie. Encore beaucoup de choses. Voilà. Sur Ulule, on fait pareil parce que j'ai pas vu de nouveaux trucs qui m'auraient transcendé, tu vois. Par contre, c'est toujours en cours. Vous avez toujours Brancalonia, l'Empire contre Claque du studio A4, dont on reçoit l'équipe aussi dans pas longtemps en interview. Vous avez toujours l'univers d'Amalron chez Alconast Edition, que j'adore, que les livres-jeux sont très très bons. Et Legendary Kingdoms, tome 2 chez l'édition Épicourien, qui sont toujours en cours. Voilà. Voilà pour les financements. Je pense que je les ai cités assez rapidement, sans trop rentrer dans le détail. Mais en même temps, c'est des gens qu'on va recevoir en interview. Donc, on pourra développer peut-être un petit peu plus facilement. Après, si vous avez vu des financements qui vous parlent, n'hésitez pas à en faire part non plus aussi. Hein, parce que c'est vrai que moi, je les trie, en fait. En fonction aussi de nos goûts, quoi. Oui, j'ai pas vu grand-chose qui me tapait vraiment dans l'œil, là. Ouais, c'est pareil. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise, en fait. C'est surtout ça. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Oui. Ah si, les fameuses chroniques de Barnabas, là, mais on en a parlé. Oui, non, voilà, ouais, ok. Il y a celui-là qui est sorti, on ne sait où. Mais en fait, la plupart du temps, c'est des jeux... Il y a quand même beaucoup de jeux qui ont été annoncés un petit peu à l'arrache, quand même. La com et les éditeurs, c'est toujours pas ça pour la plupart des éditeurs. Mais ce n'est pas des surprises, pour autant. Ouais. Voilà. Alors, donc jeudi, il y a la douloureuse Traveler. Il y a la douloureuse Delta Green aussi. Pas le droit de se rater sur celui-là, les gens. Attention, l'éditeur. Alors, moi, je vais être clair, même pas en rêve, je pledge. Voilà. Mais on en rediscutera entre nous. Je vais pas en dire ça. Et pourtant, je suis fan de Delta Green aussi, à cause de toi. Mais là, mais même pas en rêve. Voilà. Ça pourrait faire une cartouche, d'ailleurs, mais on va rester gentil ce soir. Le roi jaune, Jean-Marie, c'est pour mieux jouer. Ouais, Delta Green, et le roi jaune, oui, c'est en juin, ouais, tout à fait. C'est ce qu'on avait évoqué avec vite fait avec Tricky et Loïc Musi au Fige. Écoute, voilà. Ensuite, les news, les petites news, il y en a quelques-unes quand même, hein, parce qu'il s'est passé quand même des trucs chez les gens. Donc, je reviens chez Alconost Edition. C'est un éditeur dont je pense le plus grand bien, parce qu'ils sont super bons sur les livres-jeux. Ils avaient en plus des invités de prestige en auteur de livre dont vous êtes le héros à Cannes. Franchement, ils font un super taf. Et là, ils vont rééditer donc le jeu de rôle des Terres des Légendes. C'est un univers à la base de livres-jeux. Et là, c'est carrément le jeu de rôle. Et ils l'avaient promis pendant le financement. Donc là, c'est toujours en cours hein, de confection, etc. Pour que ça arrive chez les souscripteurs. Et là, ils ont carrément un kit de découverte du jeu de rôle. Carrément. Qui est dispo. Donc j'essaie de... Hop, voilà. Je vais mettre le lien. Voilà. C'est déjà fait, t'inquiète pas, je balance le lien tout à l'heure. Ah, d'accord, ok, tu vois, c'est pas grave, il sera en double, tout va bien. Donc, ouais, super intéressant, un petit kit gratos, ça fait toujours du bien, quoi. Ensuite, qu'avons-nous ? J'essaie de voir, chez Arcane Asylum. Alors, attends, déjà, j'essaie juste de voir ce que j'avais dit. Voilà, les Terres de Légende, c'est ça. Donc, le kit d'initiation, vous pouvez le télécharger gratuitement ici. Magnifique. Le top. Ensuite, chez Arcane Asylum, il y a pas mal de choses qui ont popé. Alors là, pour le coup, on peut pas dire que Arcane ne communique pas, ce qui était un de leurs défauts auparavant. Là, par contre, alors après, on peut toujours reprocher plein de trucs, mais pour le coup, tu en bouffes sur Insta, tu en bouffes sur Facebook, Twitteron, je sais pas parce que j'y suis plus. Et voilà, tu l'as sur plusieurs canaux de communication. Donc là, tu as la campagne, c'est quoi que c'est Atom Winter, je crois que c'est ça. Hein, oui, tu as la campagne de Fallout qui est en préco. Ouais, qui est là maintenant, hein, voilà. Il y a Neverland. Neverland qui a popé comme ça, là. Bonjour. Ouais, au Fige, il y avait la grosse banderole. Hein. C'est-à-dire, oui. Ça avait été mentionné il y a longtemps, Neverland, et puis ça avait disparu. Puis d'un coup, ça fait. Hey, au fait. C'est sympa, moi je l'ai lu en VO, et c'est plutôt sympa, ouais. Neverland. Il est très très bien, ouais. Ouais. Moi j'attends surtout Oz, hein, je t'avoue. Je préfère. Donc Neverland, bon, déjà le bouquin est magnifique. Ah, c'est beau, ça c'est sûr que. Ah ouais, ouais. Tu as aussi en préco le guide joueur pour Vampire la Mascarade. Voilà. Donc, si vous voulez customiser encore plus votre vampire, comme à l'époque de la V3, allez-y, faites-vous plaisir.
On verra. Bah, après, ils avaient... voilà, puis on avait eu des news comme quoi, enfin, les suppléments, les fameux suppléments manquants arrivent enfin. Et ce sera avec en financement. En financement. Ouais, avec plus de 2 ans de retard, mais ils arrivent enfin. Parce que le public français était un peu délaissé. Hein. Ouais, alors, pour le coup, pour en avoir discuté avec Mathieu Saint-Tout au Fige, ça a été un immense bordel pour la gestion des droits. Oui, bah, donc, même les Américains n'étaient pas d'accord entre eux. Donc, C'est exactement ça. Et les Suédois. Parce que tu avais Renegade. Il y a Renegade, Paradox. Paradox, je ne sais plus combien ils étaient là-dedans. C'était horrible. Donc, ouais, c'était pour Chicago by Night et je ne sais plus quel l'autre supplément. Les cultes de sang, je crois, quelque chose comme ça. Et ils vont arriver... qui est excellent. Voilà. Bon. Ils arrivent en financement, pour le coup, ceux-là. Ils sont annoncés. Bon. Donc voilà, pour eux, pour Arkane, est-ce que je n'oublie pas chez eux ? Attends. Bah, Broken Tales, mais ça, c'est en financement, c'est fin mars. On en parle dans quelques semaines. Hein, voilà. Ouais. Alors, Broken Tales, ça fait partie de ce que Mathieu Saint-Tout aime beaucoup en tant qu'ancien graphiste, c'est-à-dire que des jeux qui sont beaux. Oui. Et pour le coup, le jeu, il est juste, mais il a tombé, parce que c'est une traduction d'un jeu OSR, hein, pour le coup, qui est juste incroyable au niveau de la charte graphique. Après, c'est des jeux OSR, donc il faut voir exactement la proposition qu'il y a derrière, si c'est vraiment super intéressant, ou one-shot, voilà, ce genre de trucs. Donc, après, ouais, ça a fait beaucoup de financement de la part d'Arkane Asylum. Hein, ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup de projets à livrer en parallèle. Ouais. Ça fait beaucoup. Un bon plan. Hein. On l'a vu. Hein, chaque fois qu'un éditeur se retrouve avec autant de trucs à sortir. C'est compliqué. Bon, après, normalement, il y en a plein qui devraient arriver là en deux vagues. Ouais, mais tant que c'est pas arrivé. Ça va faire quoi? Ils en sont à quoi? Trois déjà? Trois, quatre financements là déjà? Pas livrés? Ouais, bah là, je crois que ceux qui arrivent, c'est Werewolf, Changelin, Humblewood. Ouais. Je sais plus qui est le quatrième. Mais ils arrivent par vague de deux bateaux successifs. Ouais, ouais, bah ça commence à faire beaucoup. Parce que entre Metro 2033, là, ça avance un peu. Pas trop. On s'est passé dans le métro. Assassin's Creed, qui est pas terminé, qui va être en cours, on sait pas, ça, voilà. Walking Dead et Dragonbane là qui est en cours. Ouais. Bon bah écoute, on verra bien. Alors chez Black Book. Avatar, j'ai oublié Avatar. Avatar, ouais. Alors chez Black Book Edition, allons-y. Alors attends, ouais, c'est là. Blade Runner, ouais, mais. Blade Runner, il arrive directement en préco, lui, il n'y a pas de financement. Oh oui, mais ça, voilà. Oui, c'est pas en préco, ça va. La Black Book BBE. Voilà. Déjà, on a la campagne du sang sur la piste pour Deadlands. Qui est en préco. Qui est arrivée, pardon. Oui. C'est un préco bundle, donc celle-là, ça y est, elle est livrée. Enfin, elle est en cours, en tout cas. Et on a, bah, ça tu l'as montré, hein, Manu, Vise juste, La France des Ombres et Anarchistes. Shadowrun. Qui a dit qu'on n'aimait pas Shadowrun ici? Pas moi, hein, on est d'accord. Voilà. Donc ça, c'est chez Black Book, sans compter bon, bah, les financements qui arrivent, mais... On vous renvoie à l'interview de Tony qu'on avait faite au Fige avec Freux, l'immonde Freux. voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Toc, je descends un petit peu. On a chez Odonata Sapanka qui a été livré chez les souscripteurs, donc ça va pas tarder en boutique. Oh, ça, c'est pas mal. Super bouquin, on les a vus à Cannes aussi. Vraiment magnifique. Ah ouais. Dans la série des financements qui arrivent d'ailleurs dans pas longtemps, la date n'est pas encore annoncée, donc je ne vous la donnerai pas. Hein, c'est à l'éditeur de le faire. Mais chez Pattern Recog, on nous a annoncé donc Majestic 12, un jeu de rôle d'un personnage qui fait une personne qui est dans le chat, à mon avis, encore, qui doit trader là. Donc, on a pu tester d'ailleurs. Ouais, en plus, il nous l'a fait tester. C'était horrible. Ouais, quel mauvais moment. Oh, c'était horrible. Oh là là. Oh là là. Oh, quel mauvais jeu. On ne vous le conseille pas. Bon, plus sérieusement, Majestic 12, vous allez en bouffer. Bah, oui. Je dis ça, je dis rien, c'est en cours. Voilà. Tu l'attends de pied ferme. Ouais. Oui, c'est Atsutruk. Ouais, c'est ça. C'est lui. Je connais pas. C'est voilà. C'est normal. Et il s'y flotte en plus, le bougre. Quelle honte. C'est honteux. donc voilà pour les news, mais effectivement on va rediscuter de Pattern assez rapidement. Qu'est-ce que nous y avions d'autre chez Wizard of the Coast? Bah tiens, vous cherchez une cartouche. Alors c'est plus vraiment une cartouche à ce niveau-là, parce que bon, c'est un peu le passage obligé, si tu veux, dans la rubrique. Bon, là on a le dernier supplément qui est arrivé en boutique,
qui sont la traduction de Keys from the Golden Vault. Donc là, ils ont traduit ça par les clés du verrou d'or. Alors, Vault, verrou, j'avoue que... Ouais, déjà. Mais alors, en plus, tous les retours que j'ai eus, c'est que la trad, elle est vraiment pas folle, pour pas dire plus. Qu'en plus, il y a un des plans, à un moment donné, où ils ont même pas pris la précaution de vérité, de vérifier le BAT, c'est-à-dire que, bah, en fait, les annotations sont celles de la version allemande. Donc, vous aurez de l'allemand dans un bouquin VF. Une magnifique carte. La carte principale est en allemand. Voilà, c'est beau. Très pratique. Ah, schön. Ouais, mais ça fait travailler les langues étrangères. C'est peut-être éducatif voilà, comme jeu, en fait. Travailler un petit peu, moi, je trouve. Exactement. Bien. Exactement. Voilà. Je trouve que les gens râlent pour rien, alors qu'on est là pour l'éducation des masses. Ben oui. Ah, ça donge. Ils ont dit qu'ils ne feraient pas de correctif. Ah, bah oui. Voilà, c'est... Voilà. Cadeau, 50 euros. Bah oui. C'est-à-dire qu'ils ont communiqué... Pardon, Marilyn, excuse-moi, je t'ai interrompu. Des merdes zizich. Ah, ouais, voilà. D'accord, ok. Ok, donc eux qui communiquent jamais, là, ils ont communiqué pour dire allez vous faire. D'accord. C'est ça. Bon. Oui, oui. Donc les fans de l'œil noir seront jaloux, tout à fait. Das Schwarzaug. C'est comme ça qu'on prononce ? Parce que alors, moi, l'allemand. Pas bah, l'œil noir. Je quoi. Sais plus. Oui, voilà. Le jeu on où a quoi... que personne ne joue. Mais... Il y avait ça. C'est méchant. Ouais. On avait quoi d'autre ? Ah, chez Edge. On n'en a pas parlé là, en PDF. Si, ah oui, je l'ai raté. Oh là là. Si, il faut en parler quand même, parce que c'était quand même sympa en VO. Ben voilà. Et du coup, voilà. Le mode arpenteur, donc c'est le mode solo pour jouer à l'anneau unique. Ouais, et franchement, il vaut le coup, parce qu'en plus, il y a plein de tables de rencontres aléatoires qui peuvent vous servir quand vous jouez en groupe, quoi. Donc, de toute façon, il vaut le coup, PDF. Et franchement, c'était cool. Ils en avaient parlé chez Edge, je l'avais évoqué, Michael. Donc, ce qui veut dire que les deux autres vont arriver aussi à un moment donné, qui est le. Il y avait le Life Path qui permettait donc de convertir les cultures de la V1 à la V2. V1 vers la V2, et celui-là, il est vachement utile, parce que d'un coup, on peut jouer ce qu'on veut d'un coup, maintenant. C'est que du bonheur, quoi. Voilà. Donc, ouais, non, là, super content, et alors, en plus, voilà, $5.42, donc ça vous fait 5 euros, quoi. Hein, même pas 5 euros, donc, ouais. Non, et pour l'avoir testé, celui-là, il est très bon. Oui, et l'anonique s'y prête parfaitement pour jouer en solo. Là, vous le sentez que vous êtes un rôdeur, un dundin tout seul dans la pampa. Là, vous le sentez. elle est vraiment pas terrible, mais c'est très amusant. Et puis, je suis méchant avec les gens qui pratiquent l'œil noir, parce que, bon, voilà. C'est pas que je suis méchant, je suis plutôt taquin. Parce que, voilà, petite dédicace à Dany, que j'adore, qui est un prosélyte de l'œil noir. Tout à fait. Moi, c'est le système que je peux pas, quoi. Tu vois, autant l'aventurie, ça me parle, tu vois, parce que c'est mon premier jeu de rôle. Autant le système, je peux pas. Voilà. Je suis plus dans la simplicité que dans la complexité maintenant. Mais c'est... Bref, je ne vais pas refaire. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est moi ça. Aussi, moi je les kiffe. Grave. Et donc là, on va parler des jeux indés, parce que les jeux indés, c'est vraiment cool. Et là, c'est Guillaume Janté qui nous a encore pondu, mais une merveille, La Land of the Dead. Alors, vous allez mélanger les comédies musicales, donc bienvenue à La Land, par exemple. Il y en a tellement d'autres. Et les jeux de zombies. Parce que quand même, ça va avec. Forcément. Toujours illustré avec talent par Guillaume. Donc là, c'est voilà, $5. Vous avez votre PDF. Il y a la version Lulu aussi, hein, qui renvoie, bien évidemment. Donc 65 pages, hein, quand même. Hein, voilà. Et ce qui est génial, c'est que dans les mécaniques du jeu, on a des bonus quand tu chantes. Quand tu sacrifies du matériel. Ouais. Ou quand tu te mets en danger pour sauver un labrador, par exemple. Tu vois voilà. Donc tu peux choisir de te comporter en héros ou en lâche, et tu peux raconter ta mort, si tu as été mordu, par exemple. Donc c'est la narration partagée, et ça joue à Sunset Boulevard. C'est magnifique. Franchement, moi, le jeu, il m'envoie du rêve. En plus, quand tu vois le passeport La La Land avec Mary Poppins, comment te dire, dans un monde de zombies, comment t'as pas envie de jouer à ça, quoi. Franchement. Voilà. Et en chantant. Les idées géniales. Ah ouais, non, mais... Et 15 balles, si tu veux l'avoir en version... Ouais, non, mais voilà. Bah... Non, mais oui. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Mais oui. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, non, bah écoute, en jeu indé donc de Guillaume, c'est vraiment extra, quoi. Je trouve que... Ouais, c'est ce que dit Jean-Marie. Cet homme est fou, mais c'est un génie. Presque ça. C'est presque ça. Après, c'était Conan et Sonia contre les... C'était quoi déjà le titre ? Oh, j'ai oublié.
son super jeu là. Bon, bref. Ah. Bon. Ah. Écoute, en tout cas, voilà, ça fait une grosse actu. Bah, tu filmes, du coup, comme on disait tout à l'heure, Mars Express qui sort en Blu-ray au mois de mai. Donc, ça, c'est très très bonne nouvelle. Je suis super content. Mmh. Après, moi, je sais pas ce que vous avez été voir au ciné, mais moi, ces derniers temps, il n'y a rien qui m'interpelle. Sonia et Conan contre les ninjas. Merci, Atsu. J'arrivais plus à savoir contre quoi ils étaient. C'est voilà, terrible. Donc, en ciné, je t'avoue que là. Ah bah, ciné, il y avait Aller à Dune, hein. Pour moi, Dune 2, plein de plusieurs fois. Ah ouais, non. Je sais ce que tu penses de ce film, voilà. Sauf un équilibre, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent, voilà, c'est bien ça. Bah, où est passé le Manta? Où est passé Alia? Où est passé le rôle de Lady Jessica? Où est la guilde? C'est oui, Dune, oui, non, mais oui, il manque beaucoup de choses, je suis d'accord. Ah oui, voilà, c'est tout. Mais je sais, hein. Il manque énormément de choses, hein. J'en ai parlé à ma femme en sortant du ciné, j'ai passé 3 heures à lui expliquer tout ce qui manquait. Ça m'a pas empêché le lendemain de repartir au ciné. Au revoir. Oui. Voilà, tu t'es fait stockholmiser. Bon, moi, je dis rien. Moi, j'étais voir 4 fois Amélie Poulain au ciné en un an. Donc, tu vois. Oh là là là. Voilà, bah, chacun son truc. Voilà, ça, moi, ça, je peux. Qu'est-ce que je te dise, mais je vous expliquerai. Je vous expliquerai en off. Vous comprendrez mieux. Ça explique bien des choses. ah oui, 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 oui. Une partie avec Antoine et Freux qui chantent. Ouais. Ouais, oui, 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 oui. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Oui, oui, Dune, ce serait mieux. C'est vrai que Barbie passe en ce moment à la téloche, effectivement. Enfin, peut-être que je me le fais. En plus, avec Oppenheimer, les 2 films que j'avais ratés au Cinoche, je vais peut-être me les faire justement en rattrapage. Ça fera du bien. Il paraît que c'est bien, donc ce sera l'occasion, quoi. Tu as été voir Titanic 5 fois. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je me suis fait engueuler pour Titanic à l'époque au ciné. Hein. J'étais le seul à m'être explosé de rire quand il y a. C'était, il y avait les super sons à l'époque dans les salles de ciné, ça commençait, des gros Dolby, là. Et quand t'as le mec qui se fracasse le crâne contre la grosse hélice, là, ça fait un putain de bruit d'un coup qui fait bling. Je suis parti à rire, je me suis fait engueuler. Désolé. Je comprends. C'est tellement marrant. Oui, mais. Alors, il y a des raisons pour Amélie Poulain, mais je n'en parlerai qu'en off. Parce que hors de question que j'en parle en public. Trucs, faut quand même pas. Je respecte ça. Ensuite, le programme de la semaine. Donc, je vous en ai déjà plus ou moins parlé. Premièrement, demain, bon, il y a la rediff, hein, bien évidemment, de l'hebdo sur YouTube, mais demain, vous avez un nouveau papotage indécent. Spécial Traveler. Donc, on a sous-titré une saga au long cours. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est la première partie. Donc, comme Traveler arrive en financement jeudi, bah, demain, vous avez la première partie qui sera diffusée. Bon, je ne sais pas si je la mets à 18 ou 19h, ça, on réglera les détails. J'ai plus que le chapitrage à faire, donc on est bon. Je pense que vous allez vous régaler, comme moi, je me suis régalé. C'est une des vidéos, je pense, que vous devez voir, parce que c'est une des vidéos où je parle quasiment pas. Est-ce que ça vaut pas le coup, en fait? Du coup, est-ce que c'est pas une bonne raison de regarder la vidéo? Donc non, non, plus sérieusement, c'est une super vidéo où j'ai appris mais énormément de choses. Alors, je m'étais un petit peu renseigné sur l'univers de Traveler pour préparer un peu l'émission quand même, pas être trop largué. Mais ouais, j'ai pris un cours magistral avec 3 invités que je vous laisserai découvrir demain en avant-première. Je ne vais pas vous gâcher le plaisir. Sachez juste que la deuxième partie a été filmée dimanche. Elle est déjà en cours de montage. Elle sera diffusée pendant le financement. De toute façon, vous allez bouffer du Traveler là pendant au moins 2-3 semaines facile. Facile. Donc, voilà. Alors, avec qui? Bah, je pense que l'invité de base, c'est Frédéric Veil des éditions Mnemos, hein, quand même. Jean-Marie, que tu connais, hein, puisqu'on avait discuté pour Trégor, hein, justement. Tout à fait. Donc voilà, on a bouffé du Traveler en long, large et travers. 1h30 la première émission avec montage, et on sera sur du 1h10 à peu près pour la deuxième. Tranquille. Ah ! Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Donc ça, c'est pour demain. Demain soir, j'enregistre une émission spéciale et qui vous sera diffusée avant Troll et Légende. Et j'en dis pas plus. Vous aurez 2 émissions spéciales avant Troll et Légende, et c'est le retour de l'émission Process. Vous savez, l'émission qui suit la création d'un jeu depuis le cerveau et voilà, les synapses embrumées du créateur jusqu'à le financement, la partie production,
la partie quand ça arrive chez les gens, les retours des joueurs, etc. Donc, tout pour ça. Ce qu'on avait fait pour Omega, là, on va le faire avec un nouveau jeu. Donc, vous aurez les deux premières parties avant de troller les légendes et donc avant le financement. Mais j'en dis pas plus parce que c'est toujours sympa de mettre un petit peu de suspense. Donc là, c'est un tournage. Ensuite, nous avons, comme je vous ai dit, le 21, donc jeudi, entre mon édition qu'on reçoit pour Célestopol. Puis on discutera un petit peu du reste, comme on avait fait à Cannes. Vendredi, ce sera Enzo qui viendra pour parler de Voltige. Ça je kiffe. Dimanche, alors ça, par contre, faut voir un petit peu les formes que ce sera. Mais il y aura donc Laurent Di Filippo, qui est professeur universitaire à Metz, hein, et qui fera partie des intervenants du fameux colloque des 50 ans du jeu de rôle à Metz. Donc ce sera l'occasion d'en parler. Et comme c'est à Metz, forcément, j'irai, quoi. Hein, sur les deux jours, je vous ferai un rapport complet, quoi. Parce que ça a l'air dantesque en programme. Donc on aura l'occasion d'en parler. Et puis je retournerai faire l'imbécile chez Ultima Verba, enfin chez Olivier, pour jouer la suite de Mage. Voilà, jusqu'à mardi prochain. Waouh. Ouais, voilà, c'est pas mal. Ah oui. On est bien. Ok. On est bien. Waouh. Ah oui, non, là, on va se faire deux semaines de folie. Hein. Il y a du lourd. Hein. Donc, on ok. Est au programme. Ouais. Meurs pas entre temps. Hein. Non. Bah après, sinon, vous prenez le relais, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais, t'inquiète. Après, ça passe. J'ai pas encore préparé les questions, de toute façon, donc tout va bien, comme d'hab. La première partie, oui. Je regarde un petit peu les commentaires, du coup. Ouais, grosse semaine. Ouais. Et le pire, c'est la semaine qui suit, parce qu'alors là, c'est une émission par jour, quasiment. Jusqu'à Troll et Légende. À peu près. Oui, j'ai fait un peu n'importe quoi. Oui, j'ai fait... Bah, après j'ai promis de me calmer, parce que je vais revenir au littéraire, hein, pour le coup, hein, parce que... voilà. J'aime bien, hein, tu vois, soit les éditeurs nous contactent, soit c'est nous, parce qu'il y a des projets qui nous interpellent. Il y en a qui ont dit non, parce que ça ne nous intéresse pas, hein, clairement. Mais c'est vrai que là, ça fait beaucoup d'un coup, parce que l'actualité des financements est lourde aussi. Mais moi, personnellement, je me remettrai à faire plus de littéraire, donc voilà. Je vous laisserai le jeu de rôle avec grand plaisir. Voilà. Ça marche. Voilà. Et puis Marilyn, si tu as envie de faire des interviews, tu nous dis. Hein. Ouais, bah, oui. Faudra te soulager un petit peu de tout ça. Ouais. Après, j'irai mettre ma petite chemise, celle qui s'attache dans le dos, là, qui fait toujours du bien. Ouais. Et du coup, l'émission de spécial 3 heures chronologie Warhammer, ouais, bon, on la posera après, vous inquiétez pas. Oui. Et une discussion Néphilim, parce que quand on aura fini de décortiquer cette troisième saison. Oui. Beaucoup. Oui, alors, t'inquiète pas, c'est toujours prévu. Ce qui me pose le plus de problèmes pour cette émission Babylon 5, c'est surtout les inserts. Parce que je pense qu'on va l'enregistrer, en fait, parce qu'en live, ça va pas le faire. Ça va être trop compliqué à gérer parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer, à discuter, à parler et autres. Alors j'avoue que je sais pas trop, à moins que je prévoie des inserts pendant qu'on parle. Voilà, c'est la forme. On verra, ouais, bref. Parce que je suis prêt, hein, moi j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai même toutes les vidéos que je voulais pour que je retrouvais des bonus DVD en fait. Parce que j'ai l'intégrale en DVD. Hein. Donc il y a plein de bonus sur les maquillages, les effets spéciaux. Sur la création des scripts, sur les luttes dans le studio, les acteurs, les problématiques et tout. Donc il y a énormément de choses à dire et c'est compliqué. C'est trouver la bonne forme. Mais sinon, moi, I'm ready. Stargate ? Ah, Soupy, on pourrait en parler, hein, des différents jeux Stargate, mais... En tout cas, les jeux, on va en parler vite. Hein. Ah ouais, c'est le thème le D20, ouais, c'est clair. J'allais dire, ouais, c'est pas... Un résumé synthétique de la série Doctor Who, je te prépare ça, ça ne prendra que 2 heures. Tu verras, un jour, je vais faire la chronologie Doctor Who. Oh putain. Préparez-vous, parce que même la série n'a pas réussi à le faire. Depuis le relaunch ou depuis l'origine ? Depuis l'origine, de toute façon, c'est la suite. Ah oui, d'accord. Non, mais voilà, ce n'est que le 10e reboot, qui est tout même la continuité. Oui, bah, c'est vrai, mais bon, c'est vrai. Voilà. Combien de temps tu prévois ? 2 heures ? Tu es sûr de faire 2 heures ? C'est pas 8 fois 2 heures.
Ouais, quelle semaine entière? Ouais, c'est plus ça. Ouais. Et pour toi, Marie, oh, c'est quoi que, si tu devais faire une série, toi, ce serait laquelle? Qu'on rigole. Oula. Ah oui. Une quoi? Une? Attends. Une série, une gamme de jeux de rôle. J'en sais rien, là, pour le moment. Ciné, moi, j'oublie, en direct, parce qu'un gamin de 5 ans à faire garder, c'est pas possible. Je rattrape après. Non, en série, il faut que je finisse Battlestar Galactica. Mmh. Ah oui, oui, oui. Ah oui, il faut. Moi, je l'ai vu deux fois, la série principale, mais après, il y a tout ce qui va à côté. Oui. Je dois rattraper. Non, ouais, les deux téléfilms, Razor, The Plan. Voilà. Et c'est Caprica qui est un peu plus dispensable, malheureusement. Oui. Ça partait bien, puis ça s'est jamais fini, c'est le problème. Sachant que Battlestar Galactica va avoir bientôt son reboot. Encore ? Ouais, la série, c'est 2004. Hein. C'est 20 oui. ans. Il y a 20 ans, la série. Hein. Oui, je sais, quand j'ai vu quel âge avait Babylon 5, j'étais fou, quoi. Je me suis dit, putain, c'était 94. Ouais, ah ouais, tu sais. Mon Dieu. Mais... J'étais jeune. Innocent, presque. Ouais. C'est... Oh. Là, si on commence à parler série, on en a encore pour ouais, une. Ouais. Ouais, c'est ça. On fera peut-être un live 1C4 pour parler série et film au calme. Mais si on commence maintenant, là on a jamais terminé. Hein. Ah ouais, non, c'est clair. Puis là, surtout vu le programme, donc, comme je vous dis, déjà demain, vous allez bouffer du Traveler. C'est déjà pas mal. Voilà. Je suis super content de l'émission et du résultat. Et j'espère que ça vous plaira. Franchement, j'espère que ça vous plaira autant que moi, j'ai pris la leçon. C'est vraiment ça, en fait. J'ai pris une leçon, je me suis régalé. Allez, écoutez. Eh ben, on a hâte de voir ça. Voilà, les petites actus, là, cool, quoi. Cosmos 99, ouais, tu peux le jouer dans Traveler. Ah, mais Traveler, tu peux tout faire. Et Cosmos 99, c'était dans Pressure, dont j'ai parlé la semaine dernière. Il y a une référence, justement, qui était très amusante. Pour le coup. Ok. Oh voilà. 2h13 déjà. Qu'on... Oh là, elle est sortie des lunettes. Oh là là. On est bon pour ce soir. Je suis prêt pour aller dormir. Et d'accord. Ça marche. Eh ben du coup, il l'a annoncé. Ça va être donc le mot de la fin. Hein. Donc, bah, en tout cas, merci à vous. Ça fait plaisir de revenir dire des âneries avec vous. Hein. En votre compagnie, et en ta compagnie, Marine, voilà, c'est la première fois également. Bah, en tout cas, c'était un plaisir. Carrément, ouais. C'est j'espère chouette. Pas la dernière. Mais, bah, non, mais, voilà, clairement pas. Hein. Merci à tout le monde dans le chat d'avoir encore une fois été aussi zinzin, aussi surexcité. Ça a fait plaisir, franchement. Ah oui. Voilà. Franchement, on remet ça très prochainement. De toute façon, vous avez entendu le planning de ministre de monsieur. Pas mal, non. C'est français. Voilà. Voilà, on nous dit adopté, voilà, parfait. Merci, c'est gentil. Voilà, le public a rendu son verdict sur ouais. Ce comme d'hab, la vidéo sera demain sur YouTube, oh, comme d'hab, les liens à la patate, on mettra tout avec des miniatures à peu près valables. On notera pour la postérité que Jean-Marie a fait un compliment à une bourguignonne. Oh là, il a fait ça fichtre. Ouf. Est-ce qu'il ne le savait pas encore, c'est pour ça. Tu l'as trompé. Ah it's a trap. Mais ce sera clippé, ne vous inquiétez pas. C'est vrai. Et Soupy, il y aura des cartouches, t'inquiète pas, ça va revenir. Il y en a quelques-unes, là je les ai peaufinées, t'inquiète pas. Mais ils aiment c'est que bien. Ça, les gens, en fait. Mais grave, c'est incroyable. Quand vous défoncez des gens, quoi. C'est ah vrai. Bah oui. Dès que tu fais dans le putassier, ça marche. Hein. Du like, ah, bah, oui. Tout, du sanglant, c'est... Bad buzz. Bon voilà, donc comme on a dit, n'oubliez pas, voilà, pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas, comme d'hab, sur YouTube, le petit pouce, le commentaire, tout ça. Oui. Voilà. Et puis voilà aussi. Bah oui. Et du coup, voilà. On vous salue tous et puis on vous dit à la prochaine tout le monde. Portez-vous bien, jouez bien, tout ça. Allez, à la prochaine. Salut. Ciao. Salut. Ha ha ha.